Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la patinoire de Lille-la-Croix pour la suite des aventures Ligue Magnus. Les Dragons de Rouen face aux Brûleurs de Loup de Grenoble. Aujourd'hui comme hier, j'ai le plaisir d'être accompagné de l'international français Anthony Rec. Bonjour. 2-1 dans la série, les Dragons de Rouen ont gagné leur première rencontre dans une ambiance importante et c'était indispensable pour eux de remporter ce match à domicile. Bonjour à tous, oui je pense que c'était indispensable pour l'équipe de Rouen de se remettre dans la série. Et on a encore un match décisif ce soir pour les deux équipes. De toute façon, tous les matchs vont être décisifs à partir de maintenant. Oh que oui. Oh que oui, parce que 3-1 dans une série ou 2 partout, ce n'est absolument pas la même chose. Non, parce qu'une équipe jouerait à 3-1 avec l'occasion de terminer le prochain soir, alors que là, à 2-2, ben, on a au moins 2 matchs assurés. Donc voilà, il y aura une pression des deux côtés, c'est sûr. L'envie d'exécuter bien et puis de gagner absolument. Comme j'ai dit, l'ambiance était bouillante hier et on va revoir ce qu'il s'est passé dans le match précédent. Et il s'en est passé des choses. Et on a eu un scénario assez incroyable. Ça avait bien démarré pour Rouen, qui n'avait pas marqué le premier but depuis le début de ces finales. Et ça a été le cas hier soir. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'était l'objectif des Rouennais hier. En tout cas, c'est ce qui s'était fixé. Puis on a une ligne avec Neza, Lucius et le troisième compère qui ont fait un très bon match. Dylan Favre, ça n'a pas duré très longtemps cette avance pour les Dragons de Rouen, puisque Dylan Favre qui a fait un très gros match, on va revoir tous ses buts inscrits hier soir, a égalisé quelques secondes après et puis de suite ils ont enchaîné les Brûleurs de Loup avec Brent Aubin. Ouais, c'est passé assez rapidement, ça a mis un coup sur la tête des Rouennais, mais Grenoble avait fait un gros effort, un push important, et on parle de Dylan Favre qui a été un joueur très très important hier de l'équipe de Grenoble. Ils avaient besoin d'inscrire un but en supériorité numérique parce que ça tourne pas forcément très bien. Ils tournent à 20% seulement de buts concrétisés en avantage numérique. Les Dragons de Rouen, et c'est Kelsey Tessier. Là, c'est un bon écran aussi là de Mallet. Ouais, un bon écran. C'était la priorité de Rouen hier soir. Et puis voilà, on voit l'action de Brent Aubin sur Dylan Favre, encore lui présent. Placé à cet endroit-là, ça peut être très instinct dangereux. Du tueur. Oui, ça c'est sûr, mais les Dragons de Rouen vont revenir encore une fois à égalité par l'intermédiaire de Joris Benin. Et encore en supériorité, comme on peut le voir. Sur ce tir à bout portant, après cet arrêt réflexe de Stepanek, Joris Benin, bien placé, qui vient permettre à sa formation de revenir à 3 partout, et puis c'est peut-être le but de la soirée celui-ci. Ouais, c'est le but de la soirée, c'est le joueur de la soirée, malheureux collectivement, mais en tout cas individuellement il était présent, il a montré la voie à ses coéquipiers. 4-3 pour les Brûleurs de Loup de Grenoble après ce but du triplé pour Dylan Favre. Pour l'instant tout va bien pour Grenoble jusqu'à ce que Stepanek s'en mêle un petit peu les pinceaux et les Dragons en profitent. Ouais, Rouen a un petit coup de pouce sur ce jeu-là, une erreur de Stepanek. Et ça a remis l'équipe de Rouen dans le match et on était reparti pour des bonnes minutes intenses. La fin était très chaude et puis finalement ce sont les Dragons de Rouen qui vont s'imposer grâce à cette petite passe soulevée bien déviée par Monsieur Prolongation cette saison, Florian Chakiachvili. Oui, c'est vrai, la MLM but vainqueur en match 5 ici contre Angers. Et là, il a été recherché très clairement par Kelsey Tessier là-dessus. Ouais, c'est un beau jeu préparé. Le gardien essaie d'anticiper. Des deux côtés, c'était bien joué. Ça a fait un beau but. Et balle au centre, on repart. On repart moins de 24 heures plus tard. Nous sommes à un peu moins de 8 minutes du coup d'envoi pour ce match numéro 3 officiellement. Mais ça va compter comme un match 4 puisqu'il y a 2-1 dans la série pour les Brûleurs de Loup de Grenoble. On va tout de suite écouter Fabrice Lenry, le coach des Dragons de Rouen. Bonsoir coach, fallait aller la chercher celle-ci et au bout du suspense. Ouais, c'est vrai que il fallait profiter de revenir à domicile. Notre mission c'était un peu d'aller chercher un match à Grenoble, on n'a pas réussi. Donc voilà, maintenant on est dos au mur. Si on voulait revenir dans cette série, il fallait gagner hier absolument, parce que entre deux matchs à 1 ou 3-0, c'était pas pareil. Et puis voilà, maintenant on va essayer de rééditer ça cet après-midi. Ouais. C'était une donnée importante de marquer le premier but de la rencontre. Ouais, bah c'est vrai qu'on n'avait pas ouvert le score encore dans cette série. Et puis on a réussi. Mais bon, après, on a été mené deux fois, je crois. Donc voilà, les joueurs
ont quand même montré du caractère pour revenir tout, à chaque fois au score. Donc ça, c'était très positif. Et puis hier, ils ont vraiment travaillé plus fort que l'équipe de Grenoble, j'ai trouvé. Donc voilà, il va falloir remettre ça tout de suite cet après-midi. Ouais. Un mot sur la prolongation, qui avait un air de chaos. Ça allait dans tous les sens. Ouais, bah c'était un peu bizarre parce que nous, on a eu un joueur qui a été un peu blessé à un moment. Donc, c'était un 3 contre 2 pendant longtemps. Ça a duré. Ils auraient pu marquer 3 fois. Et après, voilà, on a récupéré. On est revenu marquer de l'autre côté. Donc, mais c'est vrai que ça a donné une bonne atmosphère après parce qu'on a gagné. Mais les prolongations, c'est toujours compliqué. C'est toujours bien quand on gagne. C'est comme les pénalties. Mais ça s'arrête tout de suite après. Mais bon, ça nous a fait du bien. Nous, on le prend parce qu'on en avait vraiment besoin. Et puis, voilà, ça nous permet de revenir dans la série. Ouais. Merci, coach. Bon match. Ben, merci. Bon match à vous aussi. L'importance dans ces finales de remporter les matchs à domicile, pour l'instant c'est du 100% dans cette finale. Et puis il y a le soutien du public hein, ici qui peut faire la différence. On a cru que le toit allait s'effondrer. Ouais, ça a bien explosé au moment de la victoire des Rouennais ici sur l'île de la Croix. Je pense que oui, ils s'en servent. C'est des équipes qui sont très bonnes à domicile. Grenoble n'a pas perdu un match, Rouen est très fort. Donc ils comptent sur leurs fans pour les pousser jusqu'au bout, un peu comme un sixième homme. Fabrice Lory a vraiment insisté sur le caractère de son équipe qui certes a ouvert le score, mais ils ont été menés par la suite, mais il n'y a jamais eu plus de but d'écart. Non, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils auraient pu prendre un coup sur la tête après l'ouverture du score. Ils en ont encaissé deux rapidement, mais ils se sont battus et ils ont été récompensés par un coup du sort sur le quatrième but. Donc tout à l'heure, voilà, il faut leur tirer leur chapeau et on attend un bon match ce soir, on attend le même match en tout cas, j'espère. On espère, ça va pas être évident parce que c'est vrai qu'hier, en termes de qualité de match, de suspense, de scénario, on a été vraiment gâtés dans la rencontre il y a moins de 24 heures. Allez, on va écouter tout de suite Jirki Aho, le coach des Brûleurs de Loups de Grenoble. Bonjour coach, on a vu beaucoup de frustration après le but vainqueur de Chakashvili. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs après le match? Après le match, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du contrôle des nerfs, comment se maîtriser dans certaines situations. On a eu un mauvais comportement hier. On ne devrait pas s'arrêter de jouer si quelqu'un vous fait une faute. Moi, je pense que il y a des simulations, mais ça ne devrait pas faire partie du hockey. On devrait donner notre 100% et les arbitres devraient faire la même chose. Comme vous dites souvent, ça dépend toujours du match d'après. Et cette saison, du côté des Brûleurs de Loups, c'est 100% de victoire après une défaite. C'est un nouveau match. C'est toujours pour comment vous réagissez le match d'après, comment vous oubliez le match précédent, comment vous vous préparez mentalement, psychologiquement pour le match d'après, comment vous faites votre préparation, comment vous faites votre préparation mentale, si vous jouez mal, vous jouez bien. Comment est-ce que vous construisez votre état d'esprit pour le match d'après? Malgré la défaite, un petit mot sur la performance de Dylan Fabre. Je pense qu'il a été plutôt cool, plutôt ok pour cette rencontre. C'est vrai que c'était plutôt pas mal. Hein. Le match de Dylan Fabre, il a été très impressionnant. Plutôt cool. Plutôt cool. C'est plutôt cool de voir Dylan Fabre jouer comme cela. Ouais. L'entrée donc de la formation à l'extérieur, les Brûleurs de Loups de Grenoble et la tension qui monte pour dans quelques instants l'entrée de l'équipe à domicile, les Dragons de Rouen.
les supporters présents dans cette île Lacroix qui sont tous debout. On attend forcément l'entrée des Dragons de Rouen dans une ambiance qui s'annonce bouillante, qui s'annonce très chaude ce soir. Et c'est Mattia Pintaric qui mène la danse pour l'entrée des Dragons de Rouen. Et Anthony Rey, qu'on a un nouveau meilleur scoreur dans ces playoffs, et pas des moindres. Oui, Brent Aubin qui récupère le casque à Kyle Hardy pour les Grenoblois. Je pense qu'il était très bon pendant ces playoffs. D'un point de vue de l'équipement, est-ce que ça change quelque chose de changer de casque? Oui, je pense que c'est fini. C'est un petit symbole, mais on sent un petit peu la confiance qu'on a et qu'on se dit je peux encore le faire. Oui, ça brille. Oui, ça brille. C'est joli en tout cas. C'est joli, vous avez vu donc le quatuor arbitral qui va officier pour cette rencontre avec un micro positionné sur les arbitres. Ils ont eu leur importance hier, c'est les arbitres. Le match précédent, ça n'a pas beaucoup sifflé. Hein. En prolongation, on a laissé vraiment le jeu se faire. Ouais. Mais en tout cas, on a pu entendre les mots durs hein, de Jyrki Aho envers son équipe, envers sa formation. Il n'était pas content. Vraiment de l'état d'esprit de son équipe. Non, je pense qu'il n'a pas aimé la réaction de ses joueurs, que ce soit sur la glace et après le coup de sifflet final. Et puis aussi, il a beaucoup parlé du match passé. C'est fini. On pense à autre chose et on se focus sur le prochain. Et ça va être très important, mais pour les deux équipes. Des changements au niveau des alignements, notamment du côté des brûleurs de loups de Grenoble. Pas de Poukoula qui est blessé. C'est blessé lors du match précédent et il est remplacé dans l'équipe par Quinton Oden, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie profondeur hein, du côté des brûleurs de loups. Il a quasiment 100 matchs NHL, Quinton Oden. Ouais, ils ont une profondeur extraordinaire de se permettre de mettre un joueur dans les tribunes comme ça. Voilà, mais tout à leur honneur, ils font le travail pour et voilà, un coup de chapeau aux Grenoblois. Et on écoute tout de suite l'hymne national français. Ouais, ça devient une tradition hein, de faire cela a cappella, comme hier. Et pour revenir sur les alignements, pas de Pierre Crinon également, évidemment, du côté des brûleurs de loups de Grenoble. Lui et sa femme ont eu la merveilleuse nouvelle d'accueillir la petite Jeanne. On les félicite. On les félicite beaucoup, oui. Et de l'autre côté, on pouvait s'y attendre aussi, pas de François Beauchemin, qui était... déjà affaibli lors du match précédent et on l'a vu prendre un sacré coup sur la jambe. Ça a dû aggraver son cas peut-être. Ouais, il n'est pas dans l'alignement. Oui, je pense qu'il y a eu. Il s'est forcé à jouer avec la douleur, mais je pense qu'hier le coup a fait qu'il ne pouvait plus pour le prochain match. Et ça fera peut-être plus de temps de jeu pour Bastien Maya qui a été relativement limité hier. Oui, le retour sur le banc. Dans l'alignement. Oui. Ce sont les mêmes premiers trios qui vont démarrer cette rencontre qu'elle cite ici. Loïc Lamparier, Roland Zevigneurs face à Joël Champagne, Sacha Treille et Aurélien Der. C'est parti pour cette rencontre, pour la suite de ces finales de la Synerglas League Magnus. Donc, il faut voir la réaction des Grenoblois tout de suite au match, après un match perdu, voir quelle est leur réaction. Est-ce qu'ils sont plus agressifs ou alors plus patients? J'ai un élément de réponse avec cette grosse charge mise derrière les filets de Mattia Pintaric.
Grosse charge du capitaine Joël Champagne qui aura été très solide hein, hier dans les deux sens de la patinoire. Il a été malheureux en prolongation, il a frappé la barre transversale. Capitaine qui montre l'exemple sur cette action, il va au contact. Il a tout de suite terminé sa mise en échec et ce sera un bon engagement en zone offensive et les arbitres tout de suite qui se consultent. Comme on dit dans les playoffs, il n'y a pas de voyage à vide. Oui. Il le montre dès le début du match. Le nouveau casque d'or qui est présent sur la glace, la ligne avec Damien Fleury et Nicolas Deschamps. Petit changement de ligne là, non ? Oui, effectivement. Ouais. Il évolue avec Dylan Fabre. Thomas lors du match précédent. Attention, Lucenu sur le côté droit. Le tir qui passe à côté des filets de Yacoub Stepanek. Attention, c'est récupéré par Lucenu. C'est un premier arrêt dans cette partie pour Yacoub Stepanek. Boivin qui temporise avant de lancer. Et le rebond est conservé finalement par Yacoub Stepanek. Deux occasions là, coup sur coup pour les Dragons. Oui, on repart sur des bases très intenses. Dès le début du match, montrer un peu qu'on est présent pour ce match 4. Un rebond laissé sur la première situation pour Stepanek. Et derrière, il est venu capter ce palais. Engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen. Et c'est remporté avec le tir de Dodero qui a été contré par Lucien Ono. Sacha Treille sur le côté. Et immédiatement, on remet le premier trio du côté de Jerky Ao. Vincent Leza, très actif hier, qui vient mettre ce palais en fond de territoire. Raymond avec la charge. Ouais, effectivement, pas de voyage avec dans ce début de partie. Non. Avec un palais très chaud qui a été récupéré par Joël Champagne. Ça va d'un but à l'autre. Avec Sacha Treille qui vient lancer. Ça a été légèrement touché par Sacha Guimond. Pas de pénalité sur cette situation. Le jeu qui peut continuer. Tomasino qui vient dégager son camp. Oh, attention, est-ce que c'est sorti directement? Oui. Le bras de l'arbitre qui est levé. Oh, il s'en va directement au banc. C'est une faute. La part de Tomasino, c'est un retard de jeu. Ouais, c'est une pénalité malheureuse. Il voulait juste sortir le palais de la zone. Il y a 2 minutes de défensive. Retard de jeu. Il n'y a pas à discuter. On l'a vu, ce retard de jeu. Lui, le premier, il s'est précipité sur le banc. Et attention, ils sont très dangereux depuis le début des playoffs. Les brûleurs de loups dans cette disposition d'avantage numérique, c'est plus de 30% de réussite. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Hein. Normalement, c'est 1 sur 5, on va dire, entre guillemets. Donc. Ils sont au-dessus et Ils ont une première chance d'ouvrir le score dans cette rencontre. Kyle Hardy qui temporise, remonte ce palais, la passe sur le côté, ça a été touché et dégagé par les Dragons de Rouen. Hardy, la feinte, l'accélération et ce palais en zone offensive. La passe derrière, que c'est bien fait de la part de Kyle Hardy. Nicolas Deschamps, ouais, pour Damien Fleury, le palais qui est capricieux. Fleury qui va quand même l'avoir, ce palais. Quinton Oden qui touche son premier palais. Nicolas Deschamps vient retrouver Quinton Oden. La remise pour Nicolas Deschamps. Attention, il se dirige vers le but. Le lancer de Nicolas Deschamps. C'est parti très fort. Et c'est passé à côté des filets de Mattia Pintaric. Oh, il a mis beaucoup de puissance là-dessus, mais pas de précision. Ouais. Il a voulu chercher la cage à tout prix. Essayer de mettre un peu plus de pression sur Pintaric. On voit déjà Quinton Oden commencer à parler. Ouais, il rentre dans sa série, hein. C'est son premier match, il doit s'imposer aussi, il doit montrer qu'il est présent. Une 14 à faire encore en supériorité numérique pour les brûleurs de loups de Grenoble. Est-ce que ça a été touché? Il y a eu un petit coup. Petit coup de donné pour continuer sur la lancée du match d'hier. Où on ne se fait pas de cadeau, évidemment. Rouyainen derrière lui cherche Aurélien Der. Dodero dans le coin. Dodero s'est récupéré par Yo qui n'est pas parvenu à dégager son camp. Rouyainen avec le tir et la barre entrante. C'est le meilleur score depuis le début des playoffs. Qui d'autre que Aubin pour venir inscrire le premier but de cette partie. 1-0 pour les brûleurs de loups de Grenoble après un peu plus de 2 minutes de jeu. Oui, c'est sa spécialité, le tir en one-timer. Je suis pas surpris, mais ça part vite. C'est cadré et ça fait beaucoup de dégâts à chaque fois. Quel but. C'est parti fort. Ouais, c'est un sous la barre, hein. J'ai l'impression. Bar down pour Aubin. Oh, que c'est parti fort. Un missile téléguidé. Dévié peut-être devant, mais en tout cas 1-0 pour Grenoble. Ils sont bien partis et la supériorité numérique qui fait une différence encore.
Aubin, l'expérimenté joueur de 36 ans qui vient marquer un nouveau but dans ces finales. C'est simple, il a marqué à tous les matchs. Lampérier, c'est contré par Dylan Fabre. Évidemment, du côté des Dragons de Rouen, il risque d'être un peu plus attentif au numéro 78. Oui. Roland Vigneurs. Oui. Oh oui, encore un gros duel dans le coin. Avec Clinton Oden aussi qui va de son coup de crosse. Quelle intensité dans ce coin de la glace. Et déjà, ça sent le chaos alors qu'on n'a pas joué 4 minutes dans cette partie. Dylan Fabre, attention, il prend de la vitesse. Dylan Fabre face à Eloriné. On va repiquer dans l'axe. C'est un joueur d'expérience en face, Eloriné. Très bon défenseur. Boivin dans le coin avec Aubin et Loriné. Pénalité appelée contre Grenoble. Il va y avoir une supériorité numérique à venir pour les Dragons de Rouen. Là aussi, on est sur la continuité du match précédent avec beaucoup de fautes en début de partie. Oui, c'est vrai. Je pense pour slashing de la part de Oden, il me semble. Alors oui, on va voir ce qui s'est passé, qui va être chassé. On revoit le but, oui. Oui, ça part fort. Hein. Oh oui, plus c'est parti fort. Là, c'est compliqué à arrêter. Effectivement, c'est Oden qui est chassé. Surplus d'envie, peut-être, dans ce début de rencontre. Accroché. D'accord. Et donc, l'occasion pour les Dragons de Rouen d'égaliser avec cet avantage numérique. Ils sont parvenus à trouver la faille lors du match précédent. Kelsey Tessier a marqué dans cette disposition. Vigneurs s'est récupéré par Rui Ainen qui vient dégager son camp. C'était compliqué hein, quand même hier de s'installer en zone offensive. Ouais, globalement, ils ont, du côté des Dragons. Ils ont marqué tout leur bien en supériorité numérique sur un face-off gagné directement en zone offensive. Je pense que l'entrée de zone est compliquée et c'est un bon pressing des Grenoblois. En tout cas, ils font un gros travail. Boivin qui résiste à Dylan Fabre. La passe derrière pour Guimond qui remet ce palais jusqu'à Boivin et se filet jusqu'à Mallet. Boivin, le décalage de Vigneurs pour Mallet au deuxième poteau. Il a cherché Vigneurs. Attention à ce palais qui est conservé en zone offensive et récupéré derrière peut-être par Dylan Fabre. Bien défendu de Christophe Boivin. Ouais. Pour récupérer la possession, une minute encore à faire dans cette disposition d'avantage numérique pour les Dragons de Rouen avec Tessier, la remise de Joris Bedin, le palais qui revient jusqu'à Boivin, le tir. Et pour l'instant c'est une histoire d'avantage numérique, la réponse quasiment immédiate des Dragons de Rouen, ça fait un partout et ça commence à toute vitesse. Oui, supériorité numérique encore, très important dans un match de hockey, surtout quand les équipes se valent à 5 contre 5. Et par contre, on peut tirer un grand coup de chapeau à Boivin parce qu'il s'est battu pour récupérer le palais le plus proche de la ligne bleue. Donc, il est récompensé sur ce magnifique but. Et il avait besoin aussi de lancer ses finales, lui qui a été auteur d'une saison régulière extraordinaire, Christophe Boivin, avec ses 34 buts d'inscrits. Et il est parvenu à trouver la solution face à Stepanek. C'était le meilleur buteur de la Ligue Magnus, hein, il me semble, oui. En championnat. Oui, oui. Je pense bien que sûr. La confiance, voilà, il est content d'ouvrir le score et de marquer son but pour en finale. 73 points en saison régulière hein, aussi pour Boivin. 77 pour Beauchemin. Même orphelin de son coéquipier. Il parvient à trouver la solution. On revoit ce jeu très rapide là. En une touche des Dragons. Aussi lors du match précédent les qualités de déplacement devant les filets de Mallet. Ouais, ouais, je pense que Rouen s'est surtout focalisé sur ça, le screen, de mettre un joueur devant la cage. C'est très important au niveau et on voit la différence sur ce but-là. Ça fait but. Allez, un peu plus de 5 minutes de jeu et on a déjà 2 buts. Dans cette rencontre, ça démarre sur de très bonnes bases. Un très grand match de hockey qui s'annonce en tout cas pour l'instant. Oh que oui, c'est bien parti. Jalas Vara, qui en a fait des sacrifices hein, lors du match précédent. Beau jeu, très beau jeu.
Et le palais qui est lancé à la cage de la part de Julien Munoz. On a regroupé trois Grenoblois issus du centre de formation ensemble. C'est très beau. Ça donne une belle image de Grenoble en tout cas. Et puis ils font une grande différence aussi. Oui, sur les changements d'alignement, les trois n'étaient pas alignés ensemble hein, lors du match précédent. Adèle Coudry, Julien Munoz et Dylan Favre. Adèle Coudry qui remporte cet engagement. Le palais qui traîne, qui est récupéré par Dylan Favre en zone offensive. Favre, oh que c'est bien fait, il vient de casser une cheville. Dylan Favre avec le tir enchaîné derrière. Et c'est arrêté par Mattia Pintaric. Oh, le demi-tour dévastateur du numéro 78. Ouais, ces changements d'appui sont vraiment phénoménaux. Le tir de Julien Munoz derrière. En tout cas, on sent que ces trois-là se connaissent bien. Et le sacrifice pour empêcher que ce palais n'arrive jusqu'à Mattia Pintaric. On va revoir le jeu dévastateur hein, de Dylan Favre. Changement d'appui qui a fait très mal. Oui. Oh oh. Et il se donne le temps et l'espace. Et puis la mentalité qu'il a de revenir tout de suite à la cage, très important. Engagement en zone offensive. Maxime Lamarche à la ligne bleue qui lance sa passe au-dessus des filets de Mattia Pintaric. Kailardi, c'est un temps fort pour les brûleurs de loups de Grenoble. Tente de reprendre l'avantage. Ren Tobin en fond de territoire. Avec Nicolas Deschamps, Hardy, ouais, ça a été touché du patin par Roland Sviniers, mais ils sont toujours en possession, les brûleurs de loups, avec la passe pour Maxime Lamarche, qui cherche la déviation de Nicolas Deschamps, qui n'est pas parvenu à toucher ce palais. Nicolas Deschamps avec Damien Fleury. Fleury, la passe pour le tir instantané de Nicolas Deschamps, et ça passe à côté des filets. Attention à cette situation de contre, Roland Sviniers face à Kailardi. Le palais qui revient jusqu'à Kelsey Tessier. Finalement, ça ne donne rien. Très bien défendu de Kailardi en 1 contre 1. Ça repart tout de suite de l'autre côté pour un 2 contre 2. Hein. On voit les transitions. Hein. Ah, les défenses qui se répondent. On a vu Kailardi d'un côté et Lauriné de l'autre. En jeu. Ouais, la petite feinte à la bleue, ça ne pardonne pas. Non. Non, très bien défendu aussi de la part des Grenoblois. Pour gêner, pour. Voilà, pour ne pas avoir de temps et d'espace pour les attaquants rouennais. Et on a aperçu Kalyan Le Borgne, auteur d'un but très important du côté des Dragons de Rouen lors du match précédent. C'est lui qui a permis à sa formation d'égaliser dans le dernier quart d'heure. Oui. Bastien Maya, oui. Aligné. Avec donc Kalyan Le Borgne et Tommy Perret. Doit avoir beaucoup d'envie, Bastien Maya, dans cette partie, de prouver qu'il a sa place. Pénalité à cette finale. Dans Chakashvili. Oui, beaucoup d'indiscipline dans ce début de rencontre. Nouvelle pénalité pour l'instant, 100% des débuts dans cette rencontre ont été inscrits en avantage numérique. Et nouvelle chance pour les brûleurs de loups d'inscrire un but dans cette disposition. On dit que oui, effectivement, c'est Chakashvili qui est chassé. En tout cas, Oden est dans tous les bons coups. Il vient chercher une pénalité. Et il en a pris une tout à l'heure. Il en subit une cette fois-ci. Quinton Oden. Ah, il a déjà un rôle dans ce début de rencontre. Dans ce scénario qui s'annonce totalement dingue. On l'espère. Engagement gagné par Grenoble, toujours très important pour gagner du temps. Thomas qui cherche un coéquipier, le palais qui revient jusqu'à Rouyainen avec le tir de Sacha Trey qui a mis énormément de puissance. Et c'est un super barré de la part de Mattia Pintaric. Aurélien Der à droite, Aurélien Der qui vient lancer. C'est un sacrifice pour Enzo Cantagallo qui a fait tout son corps là-dessus. Sacha Trey pour Aubin. De l'autre côté, Aurélien Der qui vient lancer de manière instantanée. Oh, il n'était pas loin de célébrer là-dessus, Joël Champagne. C'est passé à quelques centimètres du menton droit de Mattia Pintaric. Oui, c'était chaud là sur la cage rouennaise. En tout cas, Grenoble qui récupère les seconds palais pour l'instant. Et le palais renvoyé de l'autre côté. Une minute de tuer par les Rouennais dans ce désavantage numérique. Mais attention, le danger qui revient. Rouyainen à gauche pour Quinton Oden qui a perdu le contrôle. Vincent Deza qui vient mettre la pression en zone offensive. Damien Fleury. On va prendre la vitesse du côté de Grenoble pour la sortie de zone.
patinage de Damien Fleury. C'est récupéré par Dodero qui va tenter de dégager son camp. Ça va revenir jusqu'à Kyle Hardy. Ils sont installés en zone offensive. Il reste 40 secondes à faire dans cette disposition. Damien Fleury qui vient lancer. Ça a été dévié et ça passe à côté des filets de Pete Darich. Damien Fleury cherche une solution. Temporise tranquillement Damien Fleury. La passe derrière pour Kyle Hardy. Le décalage à droite pour Nicolas Deschamps. Ouais, Deschamps, la déviation de Dylan Favre qui n'est pas cadré. Un beau jeu, une petite déviation là sur une fin de, on va dire un lancer à glace. Quand on voit la différence, là il y a les deuxièmes palais gagnés par les Grenoblois qui leur permettent de rester en zone offensive et d'être dangereux. Dylan Favre, la passe pour Damien Fleury. Cette fois-ci, c'est un lancer cadré qui est arrêté par Mattia Pintaric et qui ne laisse pas de rebond. Ils ont la possession en zone offensive. Ouais. C'est difficile d'aller chercher des lancers. Il y a beaucoup de sacrifices. Oui, il y a du monde qui vient, qui met son corps en opposition avec les lancers. Là, on peut voir Vincent Neza, c'est les... En tout cas, donner une petite tape à Pintaric après l'arrêt parce qu'il n'y a pas de rebond et c'est très important. On voit un gros gabarit Oden devant la cage qui est très grand. Oui. Prend beaucoup de place. Il y en a des grands gabarits hein, du côté des brûleurs de loups entre Joël Champagne, Sacha Trell, Quinton Oden. Et un lancer qui est arrêté par Pintaric. Retour à 5 contre 5. Retour sur la glace de Chakiashvili. Et Loriné pour lui-même. En puissance dans ces finales, le Finlandais numéro 23 s'est récupéré, attention, par Julien Munoz qui rentre en zone offensive. Julien Munoz cherche la passe pour Lucien Ono. Ça a été touché par un joueur des Dragons de Rouen. Champagne en fond de territoire pour Flavien Der face à Sacha Guimond. Der qui se retourne, pas beaucoup de solutions, il y en a une à la bleue avec Jalas Vara contre la bande. Joël Champagne, ce sera finalement Malais qui sera le premier sur ce palais. On va en profiter pour changer de ligne. Jalas Vara en fond de territoire, c'est récupéré par Dylan Yeo. Oh, attention, il a été surpris. Oui. Hein. Jalas Vara qui lance, c'est récupéré par Joël Champagne. Le tir instantané de Rui Aiden qui a été dévié. Aurélien Der face à Enzo Cantagallo. On a joué un peu plus de 10 minutes dans ce premier tiers-temps. Figures qui remporte son duel dans le coin, permet à sa formation d'avoir le contrôle du palais. Yeo pour son capitaine Loïc Lampérier. La pression elle est intense. Attention, quel Tessier qui vient s'arracher pour récupérer un palais en zone offensive. Ils vont peut-être en profiter, les Dragons, avec la passe pour Sacha Guimond qui avait été trouvé par le joueur letton. Et finalement ce lancer qui passe à côté des filets de Stepanek. Et il avait été oublié, le défenseur. Oui, il y a eu un, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une mauvaise lecture en zone défensive. Mauvaise couverture et ça donnait une grosse occasion au Rouennais. Mais on peut voir des deux côtés, il y a des deuxièmes efforts, en tout cas en forecheck, qui sont très impressionnants ce soir pour l'instant. Guimond, la passe à gauche pour Joris Bedin. Le lancer qui vient toucher le filet de protection après avoir été dévié. Ce sera un engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen. Oui, il y avait un problème de lecture en haut entre les deux ailiers, ce qui a laissé le défenseur rouennais tout seul devant la cage. Il réclamait ce palais là-dessus et c'est passé finalement à côté. Il était pris à contre-pied légèrement. Ouais. Stepanek là-dessus. Aubin ne se pose pas de questions et dégage son corps. Récupéré par Damien Fleury en zone offensive. La passe pour Nicolas Deschamps. Et c'est encore Aubin. Il est sur un nuage. Aubin, depuis le début de ses finales, il inscrit déjà son deuxième but du match après un peu moins de 12 minutes de jeu. Le casque doré est flamboyant. Ouais, magnifique pressing de Damien Fleury qui vient récupérer un palais en zone offensive. Et après, quelle vision de Nicolas Deschamps avec un joueur qui drive le net. Bien exécuté, très beau. Ouais. Petite déviation devant la cage. Le jeu à 3. En tout cas, le top scorer est chaud ce soir. Oui. Oh que oui. Début de ses playoffs, Aubin, 19 points depuis le début des playoffs pour Aubin. Et qui comptait 31 points en saison régulière et qui en a 19 déjà en ces séries éliminatoires.
c'est ça aussi l'expérience, d'être bon dans les matchs qui comptent. Ouais, ouais, il y a des joueurs qui se révèlent aussi quand ça compte vraiment. En tout cas, qui ils ont un supplément d'âme, on va dire. Et là, ouais, pour marquer 4 en 4. Et un break peut-être pour Sacha Trey. Non, il est récupéré par Dylan Yeo. Dylan Yeo, oh, attention à ce palais. Intercepté par Kyle Hardy qui tire et s'est arrêté par Matija Pintaric. Encore une occasion chaude sur les filets du gardien des Dragons de Rouen. On peut voir les défenseurs très très impliqués de la part de Grenoble. Ils se portent souvent à l'attaque. Oui, on a vu aussi Ono monter aux avant-postes. Cette fois-ci, c'est Kyle Hardy qui était positionné à la ligne bleue. Et on revoit la caméra opposée. Belle patience pour Nicolas Deschamps. Hein. Autour de Nicolas Ruot en régie, le réalisateur de cette partie. Allez, la réaction peut-être des Dragons de Rouen après ce nouveau but grenoblois. Avec cette séquence en zone offensive, Adel Coudry en contre, il y a Dylan Favre qui a été trouvé. Dylan Favre, l'enchaînement, c'est un quatrième but en deux parties pour Dylan Favre. Et les brûleurs de loups de Grenoble qui inscrivent le but du break dans ce premier tiers-temps, lui aussi est en pleine confiance. Ouais, ouais, magnifique but. Beau jeu d'Abdel Coudry qui décale, qui attire son défenseur et qui la décale à Dylan Favre avec de la vitesse. Et puis voilà, l'instinct du buteur, on va dire. Belle feinte, il fixe le gardien, il revient sur son coup droit. Ouais, c'est un très beau but et un but qui fait mal. Des changements d'alignement payants hein, du côté de Jirkiao. On voit Adel Coudry avec Dylan Favre. On a vu Fleury avec, avec Aubin et Deschamps. Pour l'instant, ils sont en train de faire très mal. Tellement mal que Fabrice Lhenry a réclamé un temps mort. Ouais, ouais, je pense que Rouen veut mettre un petit peu de temps calme et pouvoir casser un petit peu la... Voilà la, le momentum des Grenoblois qui sont très en forme en ce début de partie. Oui. Il n'y avait pas eu de but d'écart hein, lors du match précédent, c'est le cas aujourd'hui. Cafabre est à 4 buts au dernier match, très impressionnant. Oh oui. Allez, ça peut repartir à Lille-Lacroix après ce tournoi. On va voir si. Il est efficace pour les Dragons de Rouen qui tirent de l'arrière, qui sont menés désormais 3 buts à 1. Attention, Dylan Favre sur un nuage. Dylan Favre qui manque son lancé derrière. Avec Eloriné, c'est récupéré par Rouyainen. Il continue de mettre la pression les brûleurs de loups de Grenoble avec leur grosse profondeur. On rappelle pas de Valentin Clairaut aussi du côté des Dragons de Rouen. Out jusqu'à la fin de ces finales, jusqu'à la saison prochaine, on peut le dire. Et donc pas de gros chemin également si vous nous retrouvez en direct sur Sport en France dans cette partie. Il avait manqué le match numéro 2, il manque désormais le match numéro 4. François Beauchemin, le meilleur pointeur en saison régulière de l'histoire de la Cinerglas Ligue Magnus. Qui remporte cet engagement en zone offensive. Ouais, ouais, le joueur a bougé avant que le palais tombe sur la glace. On recommence. Ouais, et c'est pas évident plus de cela de prendre des engagements face à Joël Champagne. Ouais. On va voir si il va y arriver. Deuxième fois Lucenius face au capitaine des brûleurs de loups de Grenoble. Et oui, c'est chose faite, 2 sur 2 effectivement avec Enzo Contagallo. La passe derrière pour Boivin, unique buteur du côté des Dragons dans cette partie avec Yeo qui cherche la lucarne. On s'est arrêté par Stepanek. Tandis qu'il y a un casque qui traîne sur la glace. Il a été ramassé par Aurélien Der. On peut voir Rouen qui essaie de remettre de l'intensité, remettre du rythme et aller le plus vite possible à la cage pour changer un peu le momentum de ce match. Mais Grenoble a une très bonne défensive et voilà, c'est une équipe qui fait très attention à ça. Allez, l'engagement en zone offensive.
défensive. Le palais qui revient jusqu'à Enzo Cantagallo. Le tir instantané de Dylan Yeo. C'est un temps fort là pour les Dragons de Rouen. Le palais qui va être conservé en zone offensive par Enzo Cantagallo. Boivin qui s'arrache pour conserver la possession. C'est récupéré par Joël Champagne avec Sacha Trey qui tente de prendre de la vitesse. Yeo à la couverture pour Lucenius. Lucenius en zone neutre. Malé devant lui. Lucenius, l'accélération de Yeo avec Maya. Le tir en angle fermé de Bastien Maya qui en a besoin pour prendre confiance. Venir tester le bouclier de Stepanek. Bastien Maya, ça a été arrêté. Lancé avec Camille Debord à gauche, aidé par Tommy Perret et Maxime Lamarche. Oui, on va dire, une des jeunes, on va dire, qui essaie de mettre beaucoup de pression, qui essaie de beaucoup de physique, beaucoup de bataille dans la bande. Camille qui a été renvoyé, dégagé de l'autre côté. Attention à la vitesse de Nicolas Deschamps qui était pas loin de remporter ce duel face à Dodero. Et ce sera un dégagement refusé. On a vu beaucoup de dégagements refusés aussi hier. Oui. Côté des brûleurs de loups de Grenoble, absolument aucun risque de pris en zone défensive. Ouais, je pense qu'ils essaient de limiter les turnovers en zone défensive pour essayer de sortir le plus vite possible de la zone et avoir beaucoup de contre-attaques, ce qui est leur point fort aussi. Kelsey Tessier, ouais, l'engagement remporté par les Dragons de Rouen. Ils en remportent pas mal depuis quelques présences en zone offensive. Et ça peut faire la différence. Loïc Lampérier avec le tir de Kelsey Tessier qui a un très bon lancé sur réception. On peut le voir hier avec son but inscrit. Rams Vinière, ça fait la différence. Hein. Là, il est dépassé avec Loïc Lampérier. Sauvé quasiment sur la ligne par Maxime Lamarche. La déviation du capitaine. Loïc Lampérier qui permet à son équipe de revenir à un but des brûleurs de loups de Grenoble. Quel spectacle à la patinoire de l'île Lacroix. Le capitaine qui montre la voie. Magnifique séquence des Rouennais. En tout cas, on peut voir Roland Vinière, ce qui a fait une grande différence dans le coin en 1 contre 1. Et il s'est pas posé de questions, il allait directement à la cage. Et sur un second palais, voilà, une petite déviation. Et ça fait but. Le match qui est relancé. Et on va revoir cette... action, cette situation, le premier sauvetage de Maxime Lamarche sur la ligne. Et là, quelle est belle hein, cette déviation ouais. De Loïc Lampérier, bien trouvé par Sacha Guimond. Bel arrêt avant de Lamarche. Et... hop, entre les jambes, oui. S'il vous plaît. De la une part de Loïc Lampérier. Ah oui, Gero, ok. On a des beaux buts, on a du spectacle également aujourd'hui dans cette finale. La réaction. Elle a été appelée contre Grenoble, ouais. Dylan Fabre, malheureusement. Sur un shoot, sur un lancer en tout cas. Ça vient toucher le visage. On doit être maître de sa crosse. Oui. Et on passe du tout au tout. Hein. 3-1, il y a une minute. Et maintenant, il y a une possibilité d'égaliser. Alors, on va voir. Ouais. Oui, effectivement. Malheureusement, oui. Il met sa crosse vraiment dans le visage de Elorine. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a faute. Et donc, avantage numérique à venir pour les Dragons de Rouen qui sont à 100% dans cette rencontre puisque c'est du 1 sur 1 après le but de Christophe Boivin en début de partie et qui ont la possibilité d'égaliser. Ouais, les retournements de situation sont fréquents depuis deux matchs. On ne s'ennuie pas dans ce premier tiers en tout cas. Exactement, on est dans la continuité du match d'hier. Hardy. Décalage pour Joël Champagne avec Maxime Lamarche, Sacha Trey, Guimond qui remonte ce palais pour Boivin à droite. Malé qui vient retrouver Boivin, la passe de l'autre côté. Il y avait une solution aussi avec Roland Vigneurs. Il a choisi Kelsey Tessier. Boivin, ils sont bien installés en zone offensive, les Rouennais. Kelsey Tessier qui temporise tranquillement le 1-2 avec Malé, le tir lointain de Sacha Guimond. Oh, c'est parti fort, il a mis énormément de puissance, le numéro 44. Il y a du monde devant la cage, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est un powerplay qui fonctionne bien, en tout cas aujourd'hui, pour l'instant. Boivin, l'air en jambes, lui aussi. Oh, attention, quel que c'est jeu. Bien fait, le quel tir, magnifique l'enchaînement, jeu. Le bras de l'arbitre qui est levé. Et non, le bras de l'arbitre qui est levé, pas de but égalisateur pour les Dragons de Rouen. En tout cas, qu'est-ce qu'il est en jambes, Christophe Boivin, dans ce début de rencontre. Oui,
Oui, je pense qu'on appelle un 2 minutes pour cela. Cinglage contre Mallet sur le gardien adverse. En tout cas, il y a de la pression sur la cage. Oh que oui, ils étaient vraiment tout Ah non, on appelle contre Grenoble, je comprends pas là. Oh là oui. On va écouter l'arbitre, non? Oui. Je comprends pas très bien là. Oui, on va voir l'action parce que... Nous autres comprenons. Alors oui, il y a un coup de... Ah, il y a sûrement eu un coup de sifflet avant. Il y a une faute de Hardy sur Manet. Et oui, c'est étonnant. Ouais, parce que le Grenoblois touche pas forcément. Ils ont pas le plein contrôle, donc ça devrait pas siffler. Je sais pas. Je sais pas tellement. Ouais. Ah, on a estimé peut-être que Stepanek était en contrôle, lui. Peut-être, ouais, peut-être. Bon, en tout cas, 5 contre 3. Oh que oui, pendant une minute pour les Dragons de Rouen. Là, il y a une énorme chance de marquer. C'est la clé déjà du début de match. Hein. 5 contre 3 est toujours très important. Chakiachvili, le décalage pour Boivin, la remise pour Chakiachvili avec Kelsey Tessier, le tir sur réception, ça a été légèrement touché par Jéré Rouyainen et c'est passé à côté des filets de Stepanek avec Chakiachvili, le tir qui est bloqué cette fois-ci par Loïc Lamperrier. Boivin pour Chakiachvili, la remise, le 1-2, Chakiachvili, le tir s'est arrêté. Oh attention, il y a un air de chaos devant les filets de Stepanek, mais le jeu qui va pouvoir continuer, 26 secondes encore à faire avec deux joueurs de champ supplémentaires. Kelsey Tessier, le tir, le palais qui ne revient pas jusqu'à Boivin. Le Quelle gros travail pression. De Loïc Lamperrier devant la cage. Il s'occupe que du gardien. Oh le jeu. Oh la passe au deuxième poteau. Et Lucenius finalement qui glisse ce palais à côté des filets de Stepanek. 10 secondes avec deux joueurs de champ supplémentaires. Le tir puissant. Et le but de Florence Chakiachvili. Deux buts en deux matchs pour Chakiachvili. Rouen qui revient, qui rattrape son retard par l'intermédiaire de son international français. Le capitaine assistant Florian Chakiachvili. Quel match. Ça fait 3 partout. Quel match, quel début de première, enfin quelle première période, pardon. Et on voit que en hockey tout va vite. Hein. 3-1, il y a 6-7 minutes et on est reparti à égalité. C'est la magie de ce sport. Ouais, ça va. C'est la tout magie va vite. De ce sport. Ça donne des frissons. Hein. On a envie d'y participer en tout cas. Mais c'est quel match. On voit le travail de Loïc Lamperrier devant la cage. C'est son boulot et il le fait très très bien sur Sportplay. Et on repart pour une minute de Sportplay encore. Et oui. Et une chance. Supplémentaire en avantage numérique pour les Dragons de Rouen d'inscrire un nouveau but. En tout cas, c'est une vraie force hein, dans cette partie, les avantages numériques des Dragons de Rouen. Ils ont trouvé la solution dans cette disposition. Ils sont en pleine confiance avec Christophe Boivin sur le côté droit. La remise derrière pour Guimond. Derrière, le 1-2 avec Christophe Boivin. La passe de l'autre côté pour Kelsey Tessier. Tessier qui cherche Sacha Guimond. Finalement, le palais qui va sortir. Pour vite revenir, Boivin sur le côté droit qui cède de la bande et c'est renvoyé par Nicolas Deschamps. Oui, à contrario, les brûleurs de loup de Grenoble ont besoin de tuer cette pénalité absolument. Il reste 15 secondes. Sacha Guimond, forcément, ça a réveillé la patinoire de Lille-la-Croix, la patinoire Nathalie Péchala qui fait encore plus de bruit. On ne savait pas que c'était possible. Ouais, tout le monde est debout. Tout le monde était debout sur ce 5 contre 3. Oui. Très bien négocié, ce qui n'est jamais facile parce que 5 contre 3, on se marche un petit peu dessus. Surtout les joueurs à 5. En tout cas, il y avait beaucoup de lancers à la cage, beaucoup de récupération de palais. Et très bien effectué de la part des Rouennais. Et un engagement qui est remporté par les brûleurs de loup de Grenoble qui vont parvenir à tuer cette deuxième pénalité. Retour sur la glace donc de Kyle Hardy. La longue passe pour Tomasino, ça a été bloqué par Raymond Neza contre la bande, c'est intercepté par Rouyainen, mais quelle pression la mise par Joris Benin pour récupérer un palais en zone offensive pour les Dragons de Rouen, aidé par Vincent Neza qui met beaucoup d'énergie et d'intensité. Guéon, Rouyainen, 40 secondes à faire. Ouais, ça patine hein, dans les deux sens. Ça met du physique, ça met de l'intensité. Tomasino qui lance jusqu'à Stepanek avec Rouyainen. Et derrière Maxime Lamarche qui va temporiser tranquillement derrière les filets de Stepanek avant de le remonter pour peut-être une dernière situation avant la fin de ce tiers-temps. La dynamique qui a clairement changé de côté. L'accélération de Damien Fleury, 10 secondes à faire. La passe pour Nicolas Deschamps. Peut-être le temps.
temps d'une dernière situation, c'est finalement dégagé et on va en rester là. Oui, c'est la fin de ce premier tiers-temps complètement fou à la patinoire de Lille-Lacroix. Les deux formations qui rentrent au vestiaire, s'il vous plaît, sur le score de 3 partout. On voit un petit peu d'échauffourée sur la glace entre Kesley Tessier et Damien Fleury. Je pense que voilà, la tension est montée d'un cran encore. On est vraiment dans cette finale de Ligue Magnus. Voilà, les deux équipes ont enlevé les jeux d'un cran et je pense que tout le monde est content de voir ce spectacle encore ce soir. Oui, il risque d'y en avoir encore beaucoup de spectacles dans cette rencontre. On écoute tout de suite Vincent Nézard, joueur qui donne beaucoup depuis le début de ces finales. Et on se retrouve après dans un petit quart d'heure pour le début du deuxième tiers-temps. A tout à l'heure. Bonjour Vincent, oh qu'elle fait du bien celle-là, cette victoire remportée en prolongation hier. Oui, c'est sûr qu'elle était importante, et notamment en prolongation. Je pense que c'est important de gagner des matchs en prolongation pendant les séries. Et voilà, ça nous permet de revenir à un match d'écart contre Grenoble, donc on est très heureux de ce résultat. Sur quoi ça s'est joué? Parce que c'était très serré, hein. C'est joué sur des détails finalement. Oui, c'est ça. Comme tu dis, c'est des détails qui payent hier soir. Et on a eu de la chance, entre guillemets, avec le but égalisateur. Donc ça, c'est quand même de la chance, entre guillemets, mais ça fait partie du jeu. Et puis après, on a tous nos supporters derrière nous qui nous poussent toute la soirée. Et c'est vrai que ça aide énormément. Oui, parce que ça, c'est un détail finalement qui n'en est pas un. L'ambiance ici à Rouen, c'est sûr que quand on joue ici, pour les Dragons, ça galvanise. Ouais, c'est sûr qu'on a un très bon public depuis beaucoup d'années. Et on le sent quand on joue à domicile, quand on joue devant nos supporters, quand on monte sur la glace, on sent tout de suite une atmosphère différente. Et c'est un réel plaisir et puis ça nous aide énormément, donc c'est vraiment cool. Vous avez travaillé fort hier, c'est quoi votre rôle sur ces playoffs? Ah bah c'est de rien lâcher, j'ai toujours eu un peu cette étiquette de tout donner pour mon équipe, de faire mal, de me faire mal et de continuer à travailler, peu importe le résultat. Et ça fonctionne, donc espérons que ça continue comme ça. Comment est-ce que vous avez vécu le but inscrit par Chakiachvili en prolongation? On avait l'impression que le toit allait s'effondrer tellement il y avait de bruit. Ouais, c'est un soulagement, on est content et on peut commencer à l'appeler un peu le joueur d'overtime parce que ça fait déjà deux fois qu'il marque sur des matchs importants où on a besoin de cette victoire. Donc ouais, c'était un soulagement et puis ça nous donne énormément de confiance pour ce soir. Vivre de tels moments, ça fait plus de 10 ans que vous êtes avec les Dragons de Rouen, ça doit être particulier, des moments que vous n'oublierez pas. Ouais, c'est sûr qu'il y a des moments très importants dans une carrière. Et puis d'avoir des patinoires dans cette atmosphère-là, c'est pas tous les ans, mais presque. À Rouen, on a quand même, comme je te disais tout à l'heure, on a un très bon public. Et des matchs comme hier soir, avec un public comme ça, une victoire en prolongation, c'est incroyable. Nouveau jour, nouveau match, vous pouvez vous baser peut-être sur la victoire d'hier? Oui, c'est sûr qu'il faut se baser là-dessus, garder la confiance qu'on a eue hier soir. On a fait un match complet. Faut rester focus sur ce qu'on a bien fait, modifier un peu ce qui a été moins bon. Mais voilà, on veut garder cette dynamique et rester positif pour ce soir. Merci beaucoup Vincent, bon match. Je vous remercie, bonne soirée à vous. Dès l'échauffement, on va faire deux groupes. Le groupe du plus rapide ici à droite, le groupe du moins rapide à gauche. Okay, le groupe du moins rapide, vous allez aller directement au fond et vous allez me faire le serpentin de ce côté-là. Okay, le groupe du plus rapide, par ici, font le serpentin de ce côté-là. Si jamais il rattrape le dernier là, c'est un tour de piste. Celui qui réceptionne le palais s'engage directement sur le côté, celui qui ici vient au deuxième poteau. Que l'on soit valide ou non, le hockey sur glace reste le sport collectif le plus rapide au monde. Dès lors, oublier son handicap, savourer un instant de glisse à pleine vitesse devient possible pour les pratiquants du para-hockey. Installé quelques centimètres au-dessus de la glace, l'exercice est exigeant. Entre dépenses physiques et technicité à acquérir, crosse en main.
faut trouver son point d'équilibre. Ensuite, ça va être comment frapper dans le palais pour qu'il aille dans la bonne trajectoire, comment bien tenir ses crosses. C'est beaucoup d'éléments qui sont compliqués à trouver au début, mais une fois qu'on les a trouvés, on est content. Assis sur une luge de structure métallique, les para-hockeyeurs sont pour la plupart victimes d'un handicap. Mais ici, chez les Bisons de Neuilly-sur-Marne, comme ailleurs, le para-hockey, c'est avant tout une affaire de plaisir et de partage, accessible à tous. Le para-hockey, c'est ça, c'est mixte, aussi bien on dit valide que homme et femme. On accepte tout le monde est admis, et même pour faire le championnat de France, évidemment, pour quand même évoluer vers le plus haut niveau, vers l'international, là, il faut être en situation de handicap et être éligible. Il ne faut pas avoir des atteintes aux membres supérieurs et choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en France, comme dans d'autres championnats aussi, hein, pas qu'en France, hein, on dit valide homme-femme, on peut jouer. C'est vrai qu'au début, c'est bizarre. On a l'impression d'être étranger et on ne veut pas blesser personne, que ce soit dans le langage ou physiquement. Et une fois sur la glace, quand on joue avec eux, il n'y a plus de différence en fait. Une fois qu'on est sur la glace, on joue ensemble et on ne sait pas qui est handicapé ou pas. Donc on oublie vite. Créée dans les années 80, la discipline n'est arrivée en France qu'en 2018, ce qui fait d'elle une très jeune pratique dans le paysage sportif français, où tout reste encore à bâtir. Ça joue. On a actuellement une grosse dizaine de clubs en France qui accueillent une équipe de para-hockey sur glace. On souhaite arriver à la fin de l'Olympiade en 2026 à au moins 15 clubs pour une fédération française d'un sport olympique. Le hockey sur glace, il était impensable d'organiser et d'imaginer la suite de notre sport sans la pratique du paralympisme dans notre fédération. Trouver un angle d'attaque, se battre contre l'adversité, ces valeurs que prône la discipline sont aussi celles que ses pratiquants viennent chercher ici, sur la glace, comme pour glisser sur les aléas de la vie. Avant mon accident, j'étais déjà très sportif. Je faisais beaucoup de vélo, de kayak, d'escalade et tout. Et à la suite de mon accident, c'est le sport qui m'a aidé à me battre contre mon handicap. Donc retrouver la joie de vivre et tout. Et c'est au sein du para-hockey, ça me permet de m'évader de mon travail de tous les jours, d'oublier un peu mon handicap en gros. La pratique en elle-même, c'est composé d'une luge avec les crosses, donc la propulsion, on a des pointes au bout des crosses, ça vous permet de propulser, après on baisse les bras pour jouer avec le palais. Et puis après c'est vraiment un sport de vitesse et de cohésion et d'équipe, vraiment. Donc c'est vraiment de la construction et puis voilà, tu passes d'une phase d'attaque à une phase de défense en l'espace de 3 secondes, donc du coup c'est tout réinversé sur l'organisation qu'on peut avoir sur la glace. Aujourd'hui, de par son accessibilité, le para-hockey français se mue en véritable discipline compétitive. L'équipe de France a d'ailleurs participé à sa première compétition internationale il y a quelques mois. L'équipe de France a vécu sa première participation à un championnat du monde. C'était à Bangkok, en Thaïlande, en poule C, donc à la troisième poule. Et l'équipe de France a fait une belle prestation puisqu'elle a terminé troisième. Donc c'était la première expérience de championnat international. Et l'objectif, c'était d'être compétitif pour la qualification olympique en 2026. Le but, c'est qu'on ait une équipe de France qui soit capable de faire de la performance du haut niveau d'ici là. Pour l'évolution de la pratique en France, le début de l'histoire s'écrit donc en ce moment. Mais sûr que les plus belles pages à écrire sont encore à venir pour le para-hockey. Ouais, les Bisons ! Ouais ! Bisons ! Ouais ! Bisons ! Ouais !
Cet environnement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ici, j'ai appris l'humilité. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes filles. Quand j'ai rencontré la MGEN pour la première fois, je me suis demandé comment un sportif allait promouvoir une mutuelle santé en conservant ses valeurs. Je me demande simplement d'être l'homme que je suis à travers cette simplicité, cette authenticité, cette ouverture au monde. Bonjour, je m'appelle Maxence Ovitu, je suis attaquant pour les Bisons de Nuit sur Marne. Et aujourd'hui, je vais vous parler du tir du poignet. Quand on apprend le hockey, d'abord on apprend le patinage, etc. Et ensuite, quand on vient au lancer, le premier geste qu'on va apprendre, c'est le tir du poignet. Car c'est le plus simple à faire et c'est aussi le plus efficace et celui qu'on utilise le plus aujourd'hui dans le hockey. Le rapport avec le poignet, c'est que c'est toujours au niveau du flex de la crosse. Donc, on l'utilise beaucoup, comme moi qui jambe du côté gauche, notre main gauche, ça va être celle qui est au milieu de la crosse. Donc c'est là où nous allons appuyer un maximum pour que la crosse se plie et puis le shoot par le plus fort possible. Plus la crosse est souple, plus le geste sera simple à faire entre guillemets. Ce geste est le plus efficace car en fait c'est le geste le plus rapide à faire. Sur 10 buts marqués, je vais en mettre à peu près 7 ou 8 comme ça, en utilisant le tir du poignet. Ce geste, on l'apprend tous les jours encore, parce qu'il faut toujours le travailler, l'améliorer. Donc je l'apprends à le faire mieux encore aujourd'hui. C'est sûr qu'il était mieux qu'hier et il sera mieux demain. Quand on utilise ce shoot, c'est vrai que le palais, on le met un petit peu derrière nous, très légèrement. Et en fait, on va ramener au maximum le palais devant, tout en étant rapide. Et c'est là qu'en fait, tout va se jouer sur la jambe d'appui et justement sur cette flexibilité de la crosse. Ce geste-là, c'est ce qui me fait aimer le hockey, car c'est avec ce geste-là qu'on marque le plus de buts. Et donc, un joueur qui marque, forcément, ça lui fait aimer son sport. Retour en direct de la patinoire de Lille-la-Croix. Nous sommes à moins de 3 minutes du début du deuxième tiers-temps. On a eu le droit à un premier tiers complètement dingue. Hein, vraiment entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loup de Grenoble. 3 partout, il y a eu du spectacle. Oui, il y a eu beaucoup de spectacle dans ce premier tiers. Vraiment content. Je pense que tout le monde est heureux de voir ça pour une finale de Ligue Magnus. On a deux grosses équipes qui s'affrontent. Et voilà, et les acteurs font le jeu et font le show. C'est beau à voir. On peut dire que cette finale est bien lancée. Pourtant, ils avaient du retard, hein, les Dragons de Rouen. On va revoir ce qui s'est passé dans le premier tiers-temps. Et l'ouverture du score de l'homme en forme, de l'un des joueurs en forme, parce qu'il y en a plusieurs, ouais. Côté Brûleur de Loup de Grenoble, Aubin. Gros Wattheimer, hein. Là on voit encore une supériorité numérique des deux côtés.
Christophe Boivin. Oui. Ouais, meilleur buteur de la Ligue Magnus en championnat. Qui vient tromper Stepanek. Et puis derrière, les brûleurs de loups de Grenoble vont parvenir à faire des différences avec Aubin pour le doubler sur cette passe déviée. Ouais, encore un gros travail, un gros travail sur la pression de Damien Fleury et un beau jeu effectué à 3 contre 2. Donc ouais, la finition. Impeccable. 2 buts 1 à ce moment-là. Et puis 3 buts 1 avec cette passe débossée par Adel Koudri pour Dylan Fabre qui évite le pop check. Ouais, l'homme en forme aussi du côté grenoblois, il y en a plusieurs comme vous l'avez dit. Donc non, en tout cas, et là on pensait que ça serait un petit coup de moins bien. Et puis voilà la magie du hockey. La magie du hockey, la magie de Lille Lacroix qui a opéré pour les Dragons de Rouen qui sont parvenus à rattraper leur deux buts de retard. Cette déviation tout d'abord du capitaine Loïc Lamperrier. Ouais, du monde devant la cage, ça met au net, comme on dit. Et voilà, ils sont récompensés. Il faut dire que ça a lieu après aussi un temps mort pris important par Fabrice Lhenry. Ouais, je pense que ça a dû jouer. Ils sont un peu reconcentrés, ils ont pensé à autre chose. Voilà, là c'était la pénalité de Kyle Hardy, hein, je crois, sur le but refusé. Oui, Boivin qui célèbre, tout de suite un petit peu calmé par Nicolas Deschamps. Là, il y a eu une pénalité. Et donc 5 contre 3, ils sont parvenus à inscrire un but dans cette disposition de double avantage numérique. Il faut dire qu'ils avaient mis une sacrée pression, chaque Asvili. Ouais, beaucoup de tirs et puis on voit le travail encore de Loïc Lamperrier devant la cage qui masque complètement Stepanek. Il ne peut vraiment rien faire. Non, en tout cas, ils ont vraiment eu les opportunités et ils ont vraiment joué simple sur les séparités numériques. Et je pense que voilà, tout le monde a effectué son travail des deux côtés en séparité numérique. Il y a une grosse ambiance dans cette patinoire de Lille-Lacroix. Le deuxième tiers-temps qui va pouvoir démarrer, Joël Champagne face à Kelsey Tessier pour le premier engagement de ce deuxième acte. Et il est remporté par le joueur de centre québécois des Brûleurs de Loups de Grenoble avec Sacha Trey qui envoie tout de suite un palet en fond de zone. C'est récupéré par Florian Chakiashvili contre la bande. Et c'est dégagé par les Dragons de Rouen. En tout cas, on a pu voir dans les tribunes, alors que c'était la fin du premier tiers-temps, des spectateurs émus par cette ambiance dingue. Un supporter derrière nous qui avait les larmes aux yeux. C'est dire quel point c'est une ville de passionnés de hockey. Ouais, il y a du frisson, ça se sent. Il y a l'envie de supporter leur équipe. Et de côté. Et la passe sur le côté, c'est récupéré par Joël Champagne. Il y a Kelsey Tessier qui est présent. Maxime Lamarche a retrouvé Kyle Hardy. Et devant lui pour Aurélien Der face à Sacha Guimon. Il s'est arraché Aurélien Der, mais il n'a pas pu toucher ce palais. Dodero qui va le récupérer avec Boivin. Boivin, incursion en zone offensive derrière lui pour Lucenius. La passe, c'est bien fait pour Malé. Le tir, on s'est arrêté par Stepanek. Un arrêt important dans ce début de deuxième tiers-temps pour le gardien des Brûleurs de Loups de Grenoble. Oh, attention à ce contre. Et la passe qui est manquée finalement de Aubin pour Deschamps. Rouyainen derrière. L'arrêt important aussi de Mathias Pintaric. Et les deux gardiens qui se répondent du tac au tac. Quelle grosse occasion de Grenoble. 2-3 shoots. Tir, pardon. En tout cas, on repart sur les chapeaux de roue hein, pour ce deuxième tiers. Les joueurs ont envie de faire le spectacle, ont envie de tout donner sur la glace ce soir. Aubin. Grosse occasion encore. Attention avec le tir de Fleury. Le palais qui traîne. Et les Brûleurs de Loups de Grenoble. Et le triplé. Qui inscrivent un but dans ce début de deuxième tiers-temps. Le triplé hier, on a eu Dylan Fabre. Aujourd'hui, on a Brent Aubin. 4-3 pour les Brûleurs de Loups. Et le triplé du top scorer de Grenoble. Oh. Hein, qui s'est arraché pour prendre le rebond. Brent Aubin, quel match il est en train de nous faire. On n'a pas joué 2 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Il a déjà inscrit un triplé. Oh oui, au bon endroit, au bon moment. L'instinct du buteur. L'instinct du buteur, oui, exactement. Et Mattia Pintaric qui est trompé. En tout cas, Grenoble qui remet la pression tout de suite hein, sur Rouen. Voir s'ils vont parvenir à réagir
nouvelle fois les Dragons de Rouen dans cette partie qui était menée 3-1, qui sont parvenus à emballer cette rencontre. Ce premier tiers-temps en revenant à 3 partout, et désormais ça fait 4-3 pour les brûleurs de loups de Grenoble. Attention à ce palais récupéré, Villanio, le tir du revers. Mais quel match énorme on est en train de vivre à la patinoire de Lille-la-Croix. 4-partout, Villanio. Incroyable des deux côtés, hein. Incroyable, on se rend coup pour coup ce soir. Magnifique. Gros travail de Villanio sur un tir en revers qui vient battre Stepanek. Et la réaction immédiate des Dragons de Rouen qui ont récupéré un palais en zone offensive pour venir se procurer cette occasion. Et c'est Dilanio qui est à l'origine avec cette charge. Le palais est récupéré derrière. Ah, il a marqué ce but à lui tout seul, Dilanio. Ça a été légèrement touché par un joueur grenoblois, j'ai l'impression. Raymond, oui. Et c'est venu retomber dans la lucarne. Ça repart de l'autre côté, hein, tout de suite. De Stepanek. Hein. Ah, il ne faut pas rater une seconde, pas manquer une miette de cette rencontre délicieuse de ce match numéro 4 entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loups de Grenoble. Et la table sur laquelle on est en train de commenter qui est en train de trembler. Et c'est vrai. On peut voir beaucoup de supporters debout à sauter, en tout cas à commencer à chanter de plus en plus fort. Quel magnifique spectacle pour le hockey français. L'histoire, oui, de la glace est vite oubliée grâce à ce spectacle proposé par ces deux formations. Bastien Maya qui temporise, qui vient trouver Roland Vigneurs avant de changer. Changement directement en zone offensive, c'est très important. Guimond qui a vu son lancer être bloqué. Loïc Lamperrier là aussi s'est bloqué cette fois-ci par Kyle Hardy. C'est dégagé, attention à l'accélération de Aurélien Dair. Aurélien Dair face à Sacha Guimond, il met ce palais en fond de zone. Il a manqué d'intercepter ce palais, Mattia Pintaric. Guimond qui tente de dégager son camp. Ouais, ça a été bloqué à la bleue par Géré Rouy-Ainen. Dodero. Attention à cette mauvaise passe, est récupérée par Aurélien Dair. Le tir qui est arrêté par Mattia Pintaric. Ils s'en sortent, les Dragons de Rouen, sur cette situation, mais ça va vite revenir. Ouais, gros turnover en tout cas pour l'équipe de Rouen. Grenoble en a bien profité. Guimond contre la bande avec Loïc Lamperrier. Et ce palais en fond de territoire. Lucien Renaud qui va être le premier sur ce palais face à Kelsey Tessier. Rouy-Ainen. Brent Aubin. Le casque d'or, auteur d'un triplé dans cette partie, Nicolas Deschamps. Oh, attention, il est patient, hein. Nicolas Deschamps. Le tir du poignet, je crois qu'il est dévié avant de toucher le filet de protection, c'est même sûr. Ouais, on peut voir sur cette action deux joueurs de Grenoble qui vont foncer à la cage. Ça attire les défenseurs rouennais, donc ce qui laisse un peu plus d'espace à Nicolas Deschamps pour prendre un tir bien positionné. Et ce sera un engagement en zone offensive pour les Brûleurs de Loups de Grenoble. Lucenus face à Nicolas Deschamps. L'engagement remporté par les Brûleurs de Loups de Grenoble. Le tir qui a été bloqué par Lucenus. Boivin, la passe à droite pour Alexandre Mallet qui met la pression sur Raymond. Aubin. Oh, quel palais récupéré en zone offensive par Florian Chakashvili et son patinage. Chakashvili, le palais qui traîne. Aubin. Qui est venu contrer ce lancer, le tir lointain, et derrière le palais qui est venu toucher le montant, c'est récupéré derrière par Alexandre Mallet. Le match qui prend une tournure complètement dingue. 5-4 pour les Dragons de Rouen qui mènent pour la première fois du match. Gros travail de Mallet en tout cas pour un deuxième effort important. Je pense que Stepanek n'avait pas senti le palais. Lui, il l'avait vu depuis bien longtemps et puis après, il fallait aller le chercher. Ouais, il s'est bagarré hein, jusqu'au bout pour aller la mettre dedans directement. Et en tout cas, gros travail de Florent Chakashvili sur ce but-là. C'est un gros turnover qui prend possession du palais. Là, on le voit, hein, il bagarre. Ils ont trouvé les ressources. Ils sont allés puiser très loin. Pour réagir une fois de plus, les changement de gardien pour Grenoble. Oh, et oui, d'accord. Changement de gardien. Stepanek qui est chassé, remplacé par Garnier qui a eu du temps de jeu un petit peu dans la série face à Mulhouse. Garnier
Oui, Raphaël Garnier. C'est pas évident de rentrer dans un match comme celui-là où il y a un petit but d'écart. Non, c'est sûr. Faut une grosse pression. En tout cas, c'est un message fort. Surprenant. Est-ce que ça sera payant peut-être? Nous verrons par la suite. Maxime Lamarche à la ligne bleue, ça va peut-être donner du baume au cœur à cette formation des brûleurs de loup de Grenoble. Mathia Pintaric qui ne laisse pas de rebond sur cette situation, sur ce tir lointain, il n'était pas masqué. En tout cas, petite anecdote, on sait tous que Raphaël Garnier, le fils de Rodolphe Garnier, l'ancien entraîneur de Dragons de Rouen. Donc, je pense qu'il a joué aussi ici un an, donc je pense qu'il est content de rentrer ce soir. Le hockey est un sport de famille, est une grande famille. Loïc Lamperrier, elle était légèrement déviée. C'est Kyle Hardy qui va être le premier sur ce palais. C'est récupéré par Loïc Lamperrier avec Roland Vigneurs qui résiste à Adel Coudry. Vigneurs avec Loïc Lamperrier qui se retourne face à Kyle Hardy. Roland Vigneurs la passe à la bleue. Le lancer. Oh, et Lamperrier qui était pas loin de dévier ce palais. C'est un premier. Bel arrêt pour Raphaël Garnier qui est tout de suite dans le bain. Ouais, le gardien des Brûleurs de Loup. Tout de suite. Pas de temps mort pour lui en tout cas, il n'y a pas de round d'observation. Quelle ambiance! Je ne sais pas si le toit va tenir jusqu'au bout de cette rencontre. Il y a un bruit énorme dans cette patinoire Nathalie Péchala. Il faut dire que le scénario du match aide bien. On n'a pas encore passé la mi-match. Oui, déjà 9 buts, c'est beaucoup. Mais en tout cas, le spectacle est au rendez-vous. Sur la glace et aussi dans les tribunes. Lucenius. Le revers cherche Mallet, le palais qui va revenir finalement jusqu'à 4 heures. Attention, nouveau revirement, Boivin qui reste solide. Boivin derrière lui avec Guimond à la bleue qui tire de manière instantanée. Il a vu Lucenius au deuxième poteau. Dodero face à Flaviander. Hardy, la passe à droite pour Oden. Oden derrière lui pour Kyle Hardy qui vient lancer. Oui, ça passe à côté. Flaviander à la ligne bleue. Non, pardon, c'est son frère Aurélien. Et quand on dit que le hockey est une grande famille, en voici l'illustration parfaite. Quel plaisir pour eux de jouer une finale Ligue Magnus entre frères ensemble. Ça va être de beaux souvenirs. Oh oui. Jalasvara avec Neza. Le décalage pour Tomasino. Rouyainen finalement qui vient trouver Aurélien Der justement sur le côté droit. Aurélien Der derrière lui cherche Joël Champagne et Joris Benin qui s'arrache pour sortir ce palais. Dont le palais qui a été conservé en zone offensive. Le tir du revers de Damien Fleury. Ça a été bloqué par Eloriné. Le tir puissant de Jalasvara arrêté par Mattia Pintaric. On a le droit à une grande finale et encore un grand match. Oui, ça va des deux côtés. Ça va à la cage. Ça met beaucoup de trafic et ça se bat sur tous les palais. On voit que c'est important, c'est un gros match. Brent Aubin avec la charge de Damien Fleury, le palais qui traîne, qui est récupéré par Brent Aubin. Et encore Brent Aubin. Et attention, il ne parvient pas à geler ce palais. Si, c'est chose faite pour Mattia Pintaric. Et là, ça vient chauffer. Oui, encore Brent Aubin qui traînait là devant la cage, en renard des surfaces, on va dire. On voit qu'il joue un petit peu avec le public. Le regard de Brent Aubin qui doit aimer cette atmosphère hostile. Ah, vidéo demandée. D'accord. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va être revu déjà? On va peut-être observer Brent Aubin particulièrement. En tout cas, il n'y a pas de but. Ça c'est sûr. Ou alors est-ce que il a été ceinturé par Tomasino, mais bon, jusque-là rien de méchant. Voit la charge avant, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas grand-chose concernant Aubin. Non, l'action était légale. Le but, le palais n'est pas rentré. Un réajustement de l'âme aussi du côté de Raphaël Garnier. Ouais, pas une entrée facile pour lui. Deux grosses occasions chaudes devant lui tout de suite. Calé dans le bain. Voilà. Ouais, parfait. Ça, c'est le cas de le dire. La caméra du dessus, si tu peux. Après. On va écouter les arbitres. Ok. Attention, ralenti. Thank you.
nous, en tout cas, on n'a pas vu ce qui était revisionné par les arbitres. Sûrement quelque chose qui nous a échappé. Entendre la patinoire. Ah oui. Ils se répondent de tribune en tribune. Et pas de but. Non. C'était ça qui avait été visionné. Oui, étonnant. Et c'était peut-être sur une action au préalable, je pense. Oui, peut-être aussi. On était loin d'une action chaude. Et à mon avis, oui, ça devait être sur quelque chose au préalable. Brent Thauban et Luc Maffray qui a des yeux partout. L'inconnu de Sport en France qui souligne que Brent Thauban retrouve son coéquipier du côté des Remparts de Québec en 2006-2007. Kelsey Tessier qui joue dans l'équipe d'en face. Et d'ailleurs terminé meilleur scoreur Brent Thauban, 51 buts en 68 matchs, 105 points avec les Remparts de Québec. Deschamps, le tir en pivot. Roland Vigneurs, ouais, qui vient trouver Loïc Lampérier en zone offensive. Kelsey Tessier. Et la passe pour Yéro, le tir qui passe à côté. Il avait été gêné au moment de lancer Cantagallo avec Roland Vigneurs en vue. Hein, Roland Vigneurs, ouais, depuis le début de cette rencontre. Il remporte des duels en zone offensive. Numéro 91. Ouais, il fait des différences. Damien Fleury, haut pour lui-même. Fleury. Ouais, qui se bat beaucoup. On n'attendait pas moins de la part de l'ex-international français qui a pris sa retraite internationale. On a pu voir Florent Chakashvili essayer de, on va dire, de mettre une bonne charge à Damien Fleury. Je pense qu'il n'a pas oublié hier soir qu'il en avait pris une bonne contre lui de sa part. Ouais, des choses qu'on n'oublie pas, c'est une série et rien n'est oublié. Engagement en zone offensive à venir pour les Brûleurs de Loup de Grenoble qui se retrouvent menés désormais après avoir mené 3 buts à 1, 4 buts à 3. Yéo. Le palais renvoyé de l'autre côté en zone. Et ce sera finalement un dégagement refusé au Dragon de Rouen. On approche tranquillement mais sûrement de la mi-match. Et on a déjà 9 buts. Ouais, et des coachs qui prennent part au match aussi avec un temps mort demandé par Fabrice Lhenry. Un changement de gardien par l'entraîneur de Grenoble. Donc tout y est, tous les ingrédients sont là ce soir. Roland Vigneurs qui parvient à dégager son camp. Maxime Lamarche en zone défensive récupère ce palais. La passe pour Adel Coudry. Attention, ce revirement. La feinte de Kelsey Tessier. Nouveau palais récupéré en zone offensive par les Dragons avec Loïc Lampérier. Balai chargé par Maxime Lamarche et récupéré par les Brûleurs de Loup. Hardy s'est renvoyé de l'autre côté avec Sacha Guimond. Ouais, beaucoup de turnover des deux côtés en zone défensive. Beaucoup de pertes de palais. Guimond à gauche pour Boivin. Le lancer. Il y avait une crosse sur la trajectoire de ce palais. Ouais, ça part d'une part et d'autre. Hein, ça essaie de beaucoup lancer à la cage, beaucoup mettre de pression sur le gardien adverse. Aussi une donnée qui peut avoir son importance. Les Brûleurs de Loup de Grenoble dans cette finale n'ont jamais été menés de plus d'un but. Pour l'instant, il y en a un d'écart. À voir si ça évolue. Ouais. En tout cas, les Dragons trouvé qu'ils étaient capables de remonter deux buts de retard. Boivin qui se remet en ordre de marche avant d'avoir été frappé. Rouyaine qui réclamait un dégagement refusé. Pénalité appelée contre Rouen. Oh, attention avec ce palais qui a été récupéré par Mallet. Et attention, situation d'avantage numérique à venir pour les Brûleurs de Loup de Grenoble qui ont l'occasion d'inscrire un but en supériorité numérique. C'est Dodero qui est chassé. Pénalité, on va dire, stupide. On n'a pas le droit de remettre son casque quand il est tombé sur la glace. Ah oui. Et je pense que l'arbitre l'a prévenu, mais voilà. Ça, c'est une pénalité évitable. Oula, oui. Très c'est, évitable. C'est très rare de voir ce genre de pénalité. Oui, je suis étonné aussi, oui.
Je pense que dans toutes les ligues, c'est un peu pareil. Donc, ouais, peut-être l'émotion ou la pression qui a fait qu'il a un petit peu oublié. Mais ouais, gros moment pour Grenoble maintenant à 54. Avantage numérique donc pour les Brûleurs de Loup avec cet engagement remporté. Hardy pour Damien Fleury. Fleury qui vient trouver Dylan Favre. Hardy, il a une solution à droite, la trouve avec Nicolas Deschamps. Oden, Deschamps qui temporise tranquillement sous les huées de la patinoire de Lille Lacroix. Attention, le palais qui revient jusqu'à Damien Fleury. Le tir sur réception de Kyle Hardy. C'était puissant et ça passe à côté des filets de Mattia Pintaric. Attention, il est tombé dans une position particulière là, Mattia Pintaric. Il y a eu un contact avec Quinton Oden, les deux joueurs qui restent au sol. Ils se relèvent tous les deux. Il se plaint de quelque chose, une crosse haute ou... Ah, il a son rôle, hein. On voit beaucoup. Quinton Oden, un agitateur. Oh oui. Oh là oui, il y a... Oui. Bon maîtrise de l'équipement de la part de Enzo Cantagallo qui a jeté un petit coup d'œil aux arbitres. Oui. Il est renversé, mais je vois pas s'il y a quelque chose sur lui. Je vois qu'il traverse. En voulant soulever la crosse de son adversaire, voilà, il a directement touché au visage. On a rien pour nous, de à l'extérieur. Il y a 33 encore à faire donc en avantage numérique. Ouais. Ils s'en sortent bien les Dragons. Pas de pénalité à appeler, pas de revue vidéo. Le jeu qui va pouvoir reprendre en zone neutre Vincent Neza face à Joël Champagne. Pour l'occasion à la mi-match pour les Brûleurs de Loup de Grenoble de revenir à égalité. L'engagement, ouais, ça a dû être travaillé à l'entraînement. Ouais. Ouais, dans l'espace, libre pour le joueur à l'opposé. Le top scorer Grenoble est sur la glace, je pense que c'est le premier power play. Attention, grosse occasion. Aurélien Dair qui vient lancer, ça passe à quelques centimètres du montant droit de Mattia Pintaric. Grosse occasion là pour les Brûleurs de Loup de Grenoble. Rouyainen face au jeu, le décalage à droite pour Aurélien Dair avec Joël Champagne qui lance, ça a été dévié, l'arrêt sur sa ligne de Mattia Pintaric et ça a été renvoyé très loin par Tomasino. Une occasion brûlante devant les filets du portier slovène. Ouais, grosse pression sur la cage rouennaise là, un bon tir de Joël Champagne. Oh le break, oh, oh, le attention break. Cette situation en désavantage numérique, elle s'y tessier qui vient trouver le chemin défilé. 6 buts à 4. Le but inscrit en désavantage numérique pour les Dragons de Rouen. Oh. Wow. Ça va être revisionné. On revisionne la cage, le mouvement. Oui, c'est la cage. Sur le on a pu entendre l'arbitre. Alors, que s'est-il passé là-dessus? Plutôt rentrant. Pour moi, en tout cas, il y a but. Après, décision arbitrale, on verra. Mais Donc, il y a les supporters autour de nous qui profitent de notre écran. Mais non, je pense, qu'il y a but. Hein. Oui, ça devrait être validé. C'est dans l'action, c'est dans le mouvement du palais. Reste à savoir si le poteau a bougé avant, mais je ne suis pas certain. Bon. Ça n'a pas l'air aussi, même si c'est en même temps. Ça, en tout cas, ce serait très difficile de refuser. Je crois que la règle est que le palais est déjà parti de la crosse, donc même si la cage bouge. Logiquement accepté, validé, donné aux Dragons de Rouen qui inscrivent donc le but du break. C'est la première fois depuis le début de ces finales. Il y a deux buts d'avance pour les Dragons de Rouen. Un gros coup sur la tête des Grenoblois, je pense, mais en tout cas à voir leur réaction. Mais il y avait une grosse action chaude pour Grenoble sur le power play juste avant. Et ça finit dans leur filet juste après. Donc 6 buts à 4, 10 buts dans cette rencontre. Décidément, on est gâté. Et c'est loin d'être terminé. Encore 9 minutes à jouer avant la fin du deuxième tiers-temps. Joris Bedin, puisqu'ils sont toujours en désavantage numérique. Oui, but en désavantage numérique.
les unités spéciales qui font énormément de bien. Et à contrario, très mal au brouillard de loup, l'autre côté. Les dragons qui ont marqué la supériorité numérique et ont des avantages numériques. Et attention, oui, ils vont être chassés une fois de plus. Kainardi avec le tir sur réception de Damien Fleury et le parfait décalage de Mattia Pintaric. La pénalité de Dodero vient de se terminer. Ce sera donc un 5 contre 4. Oui, pour un accroché, il me semble, de Florian Chakachvili. On voit un petit peu se plaindre. Discussion, oui, contre Joël Champagne et Brent Aubin. Oui, beaucoup de pénalités ce soir, des deux côtés, de part et d'autre. Deux formations qui ont du mal à être disciplinées dans ces finales. Allez, Aubin, attention, Aubin qui va avoir une chance de lancer dès qu'il a le palais. Il cherche une situation de tir. Il faut dire que sa crosse est en feu dans cette rencontre. Cette fois-ci, c'est arrêté par Pintaric. Ouais, ça va vite à la cage. Hein. Ça essaie d'aller le plus vite possible, d'avoir un tir ouvert. Moi, je pense que shoot, on comprend aussi. Ouais. Et Loriné. Ouais, pénalité appelée contre Grenoble aussi. Oui. Décidément, que d'indiscipline de part et d'autre. Et ça va être un 4 contre 4. Et là aussi, on risque de se régaler beaucoup d'espace à venir. Oui, 1,50, 2 minutes à 4 contre 4. On l'a vu hier en prolongation, hein, du spectacle. Oh oui. Donc espérons à 4 contre 4 aussi ce soir. On pouvait s'attendre justement à des prolongations assez fermées, de formations frileuses. Ça n'a pas du tout été le cas. Tout l'inverse. Oui, cross et haute. Oui. Sur Enzo Cantagallo, ça c'est l'ironie du sort. Pas vu, pas pris, on va dire. Lucenius face à Nicolas Deschamps pour cet engagement en zone offensive pour les Dragons, pour ce 4 contre 4. Il va se jouer pendant 1 minute et 45 secondes. Ensuite, il y aura une poignée de secondes en supériorité numérique pour les Dragons. Boivin pour Dodero. Et la passe pour Sacha Guimond qui arme, lance, c'est parti fort. Et le palais qui est resté dans l'air de jeu. Apparemment, ça aurait touché le filet. C'est ce que l'on réclame du côté du banc rouennais. Gros lancer. Hein. Oui, de Sacha Guimond. Attention, c'était Hardy qui était recherché là-dessus. Il était monté, Kael Hardy. Boivin, le décalage pour Guimond, la tentative de remise. Incroyable retour du numéro 4, Kael Hardy, qui était monté aux avant-postes et qui est redescendu à toute vitesse. Damien Fleury de l'autre côté avec le tir qui pousse Mattia Pintaric à la parade. Et Loriné. Et c'est une situation de hors-jeu finalement qui est signalée. Très belle défense de Kael Hardy et un bon retour aussi d'un autre joueur. J'ai pas pu voir, mais en tout cas, le 2 contre 1 était très très bien géré avec la crosse. Ah oui, parce que Kael Hardy, c'était celui qui était monté très haut. Il a dû sprinter et il a été même aidé par un coéquipier qui l'a poussé un peu pour qu'il revienne le plus rapidement possible. Et ça a fonctionné pour les brûleurs de loup. Et Loriné. Wacron essaie de mettre beaucoup de vitesse à 4 contre 4. Malais en fond territoire. Et Loriné. Malais. Laisse filer jusqu'à Roland Vigneurs. Oh, la mésentente. Ce palais qui est récupéré par les brûleurs de loup de Grenoble. Adèle Coudry derrière les filets de Garnier. Coudry derrière lui pour Rouyainen. 18 secondes à faire. Mésentente aussi, mais voilà. Dylan Fabre récupère le palais. Avant le retour sur la glace de Chakiashvili. Fabre pour Adèle Coudry. Il y aura moins de 10 secondes en supériorité numérique. La charge de Raymond sur Roland Vigneurs qui rentre au banc. L'accélération de Sacha Trey, affûté plus que jamais cette saison. Percée, hein. Sacha Trey avec le tir qui est bloqué par Dodero. Trey pour lui-même. Et il n'est pas parvenu finalement à cadrer derrière. Lorsqu'il accélère, il est dévastateur. Sacha Trey. Oh, il n'y a pas cru, Joël Champagne. Quel palais qui a été
intercepté par Aurélien Dair. Ouais, Grenoble qui remet beaucoup de pression là. Ouais, Sacha, hein, tout en puissance, tout en vitesse. Oh là, oui, ça vient chauffer entre ouais. Joël Champagne et Kelsey Tessier. C'est l'intensité des finales et de ces finales entre Rouen et Grenoble. Attention, attention. Et... on doit s'échanger quelques mots doux entre Raymond et Tessier. Oh oui. On voit la percée de Sacha Treille. Hein. Magnifique. Ah, c'est un autobus. Et derrière pour lui-même. Ah oui. Ah, il était pas loin hein, de rabattre ce palet derrière. C'est passé juste à côté de sa palette. Sacha Treille. Qui ouais. a connu quelques belles années ici à Rouen. Oui, qui a remporté un... Et il réclame la... une crosse haute. Ouais, je crois un Tessier, ouais, se plaint de quelque chose. Oden face à Vincent Neza, c'est remporté par le joueur de centre. Et retour à 55. Ouais. Hein. Vincent Neza, la passe à gauche pour Joris Bedin, le lancer à la cage. Passe à côté des filets de Raphaël Garnier. Maxime Lamarche. La longue passe pour Quatron. Oh, le superbe contrôle dans la course. Derrière le rebond, la double parade pour Mattia Pintaric, tandis que la cage a bougé. Ouais, magnifique contrôle. Hein. Oui, Quatron. Oui. C'est mis dans le sens du but directement. Deuxième effort en plus de du deuxième attaquant qui était derrière en support. Belle arrêt de Pintaric, il doit être présent. Un peu plus de 5 minutes à jouer. On revoit cette occasion chaude. Voilà, il faut être flexible hein, du côté de Pintaric. Bouger là-dessus. Enzo Cantagallo, palais qui arrive jusqu'à Pintaric. Dylan Yeo. Qui dégage son camp. Boivin qui manque de récupérer ce palais. Ça peut aller vite de l'autre côté. Ça, c'est peut-être lié à la qualité de la glace. On voit beaucoup de joueurs tomber. Ouais, peut-être. Quelques travaux. Petit problème d'affûtage peut-être aussi. Oui, oui, ça on peut a être deux pas mal excellents, de deux excellents chefs matos, chef matériel des deux côtés en tout cas. Historique. Historique, oui, c'est vrai. Douin avec une sacrée coupe de cheveux. Oh attention, Dylan Favre, on racontera l'histoire de la coupe de cheveux plus tard. Dylan Yeo, la longue passe pour Loïc Lamperrier. Ouais. Peut-être toucher ce palais avant la ligne médiane et donc dégagement refusé. Bon, expliquez-nous justement cette histoire de coupe de cheveux parce que apparemment ça ne date pas d'hier. Non, je me rappelle quand j'étais joueur de Rouen il y a plus de 10 ans on va dire. Et à chaque victoire de l'équipe de Rouen, il se coupe une partie des cheveux. Oui. Donc, ce qui donne une coupe assez bizarroïde on va dire oui. jusqu'à la fin. Si il va jusqu'au plus ça gagne, plus c'est bizarre. C'est moins évident à faire du côté de Willy Hubert. Allez, engagement en zone offensive pour les brûleurs de loups de Grenoble. Roland Zwigners qui parvient à dégager son camp. Ono. Pour Julien Munoz, cherche Adel Coudry. Ça revient finalement jusqu'à Sacha Guimond avec Dodero, Kelsey Tessier chargé sur le côté d'Ilan Favre qui vient récupérer ce palais en zone neutre. Ono. L'accélération de Munoz, Dodero derrière les filets. Lamperrier avec l'accélération de Kelsey Tessier. Attention à cette situation de contre. Roland Zwigners. Oh, c'est un arrêt pour oui. Raphaël Garnier. Ouais, on a contre un beau tir de Roland Zwigners. Pas l'arrêt de Garnier en tout cas. Le contact là entre Maxime Lamarche et Zwigners. La marche qui peut dégager son camp, c'est récupéré par Chakiashvili. Énorme situation de contre pour les Dragons de Rouen. Ils sont obligés peut-être de se découvrir un peu plus les brûleurs de loups.
Oui, ouais, on rentre dans la trois dernières minutes de la seconde période. Mettre un petit coup de pression, un coup de boost avant la fin. En tout cas, beaucoup de pression. Hein, ouais. Oui, il s'en sort pour l'instant, Loriné. La passe pour Maya. Ça a été légèrement touché par Kalyan Leborgne avec Hardy. Le palais qui a été renvoyé de l'autre côté. Dégagement va être refusé. Oui. Elsa Benin et Thomas Zinon vont venir mettre la pression. Trois joueurs français contre une belle entente qui met énormément d'énergie, d'intensité. C'est ça leur rôle aussi. Ouais, je pense qu'ils ont un rôle attribué qui est de mettre beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Entre une ligne très expérimentée avec Damien Fleury, Joël Champagne. Et Aurélien Der qui demande le changement. Joris Bedin temporise le décalage pour Yeo. Bedin de l'autre côté pour Enzo Cantagallo. La longue passe pour Quentin Tomasino. L'accélération de Tomasino avec la passe pour Neza. Oui, il a fait face à un roc. Maxime Lamarche. Aubin pour Nicolas Deschamps. Oh, attention, oui. Il a failli être pris à contre-pied là-dessus, Pintaric. Aubin, oui, qui est friand de ce genre de situation, d'occasion. Le sniper des brûleurs de loups de Grenoble. Rouyainen. La passe brûlante là devant les filets. Fallait récupérer par Damien Fleury. C'est ensuite renvoyé de l'autre côté par Dylan Yeo. Oui, on a pu voir un gros bloc, un joueur rouennais. Puis on voit que Grenoble remet tout de suite la pression, hein, qu'on voit tout de suite à la cage. Munoz, moins de 2 minutes à faire avant la fin du deuxième tiers-temps. Yeo qui cherche et trouve Lucenius derrière lui pour Christophe Boivin. Boivin contre la bande. Jalas Vara, c'est finalement très beau jeu. La passe où ça a failli partir en contre-attaque. Jalas Vara. Ouais. Deux défenseurs finlandais ensemble. Deux gros gabarits. De très bons patineurs aussi. Rouyainen, Jalas Vara qui temporise tranquillement. Jalas Vara par-dessus. C'est récupéré par Loïc Lamperrier. Oh, la passe au deuxième poteau. Oui. Ouais, quel site essier. Attention à la vitesse. De Julien Munoz, il s'arrache vraiment. Et Loriné. Et on peut voir les deux défenseurs finlandais qui restent un peu coincés sur la glace. Dû à un long changement sur le banc grenoblois. Faire une différence. Loïc Lamperrier face à Rouyainen. Ça passe au-dessus des filets de Raphaël Garnier. Vous avez pu entendre le speaker. Il reste moins d'une minute à faire avant la fin de ce deuxième tiers-temps. Tomasino vient mettre la pression. Il y en a un des deux qui est parvenu à changer. Ouais. Jalas Vara, mais par Rouyainen. Attention à ce palais qui est revenu devant les filets de Raphaël Garnier. Peut-être une dernière chance pour les Dragons avec Enzo Cantagallo. Cantagallo sur le côté pour Eloriné. Le lancer à la cage est arrêté sans rebond laissé par Raphaël Garnier, que c'était chaud devant ses filets. Ouais, grosse pression des Rouennais, pardon. On a pu voir Rouyainen rester longtemps sur la glace. On le voit rentrer au banc un petit peu grimaçant. Je pense qu'il a les jambes qui brûlent, l'acide lactique comme on dit. Ouais. Et ouais, ça donnait beaucoup de bonnes occasions aux Rouennais là. Avec Raphaël Garnier ne savait pas où trop se trouver le palais entre ses jambes. C'est jamais bon signe quand un gardien regarde derrière lui. Ça c'est sûr. 15 secondes encore à faire avant la fin du deuxième tiers-temps. Ils ont été contraints de quitter la zone offensive, les Dragons de Rouen. Lucenius pour Boivin, le superbe geste défensif de la part de Joël Champagne qui empêche les Dragons de Rouen de rentrer au vestiaire avec 3 buts d'avance. On en reste à 6-4 à la fin de ce deuxième tiers-temps. 3-1 dans le deuxième acte pour les Dragons de Rouen. Ouais, des temps forts, des deux côtés. Et ouais, quel travail de Joël Champagne encore sur cette image. Oh oui. Mais voilà, en tout cas, Grenoble est mené de 2 buts pour la première fois dans cette série. À voir leur réaction, mais encore une très belle période de hockey vécue.
Ouais, ça va être intéressant de voir la suite et la fin de cette partie où il peut se passer évidemment encore beaucoup de choses. 6 buts à 4 pour les Dragons de Rouen face aux Brûleurs de Loups de Grenoble qui n'ont pas dit leur dernier mot. On écoute tout de suite Dylan Fabre et on se retrouve tout de suite derrière pour le début du troisième tiers-temps. A tout à l'heure. Bonsoir Dylan, comment est le groupe après cette première défaite subie ? Forcément, c'était dur à avaler parce que en plus un overtime comme ça. On s'est tous remobilisés et maintenant aujourd'hui on pense à autre chose et on pense à gagner aujourd'hui quoi. Un mot sur votre performance même s'il y a défaite, marquer un triplé en finale de Synerglas League Magnus, c'est quand même quelque chose. Oui, d'un côté, je suis content pour ça, mais très déçu d'avoir perdu hier, parce qu'on aurait pu prendre le large de beaucoup. Donc, j'y pense, ça me met un peu en confiance pour aujourd'hui, quoi. Et on pense vraiment à la victoire pour aujourd'hui, c'est vraiment le plus important. Il y a une force aussi chez les Brûleurs de Loups, c'est la capacité de réaction. Vous n'avez pas perdu de match de suite, vous avez su tout de suite vous remobiliser après une défaite. C'est pas mal aussi de rejouer très rapidement après avoir perdu. Oui, on a cette capacité à passer à autre chose quand on perd. Donc j'espère qu'on va faire ça encore une fois aujourd'hui. Puis voilà. Ouais. Un mot sur l'ambiance ici, il y avait beaucoup de bruit hier. Oui, ici c'est les supporters, qu'on le voit quand ils chantent l'hymne national au début, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et d'excitant un peu. Puis quand on se fait huer aussi au début des matchs, c'est assez sympa. Ouais. Un mot aussi sur la rencontre d'hier, c'était assez violent de part et d'autre, vous avez pris des coups ? Oui, je pense comme tous les joueurs, on prend des petits coups, hein, tous les changements. Puis c'était un vrai match de finale et intensité des deux côtés, et non, franchement, chapeau. Ouais. On peut s'attendre à un même genre de match aujourd'hui, une rencontre très dure sur l'homme. Oui, une rencontre encore très dure avec... les supporters des Dragons qui poussent fort leur équipe et on va rien lâcher et en espérant qu'on aille au bout. Hein. Un mot sur l'équipe de France, même si ça paraît loin parce qu'il y a encore ces finales de Synerglas League Magnus, mais les championnats du monde arrivent bientôt et vous êtes en forme. Oui, pour l'instant j'y pense pas trop, ouais, c'est vrai, je préfère me concentrer sur ma finale et puis après on verra ce qui se passe après la finale. Quoi. Voilà. Merci beaucoup Dylan et puis bonne suite de finale. Merci. Championnat du monde féminin de hockey sur glace. Les Bleus défient la Suède pour le dernier match de poule. Quelle équipe se hissera en quart de finale? Pour le savoir, rendez-vous mardi à 21h en direct sur Sport en France. Dernière journée du championnat de France de rugby à 13. Albi reçoit Lézignan pour un choc du haut de tableau. Lézignan peut encore décrocher une seconde place qualificative pour les demi-finales, à condition de gagner au stade de Mazicou. Réponse samedi à 17h, en direct sur Sport en France. Toujours. De toute façon, toi tu souris toujours, tu vas toujours bien. Sauf que quelquefois je ne vais pas toujours bien. Mais je m'arrange toujours pour ne pas le montrer. Cette maladie ne se guérit pas. J'ai peur d'être en fauteuil roulant. J'ai peur de ne plus pouvoir marcher. Quand j'ouvre la grille de l'école, je vois les enfants qui accourent. Et là déjà, je me sens mieux. J'ai besoin d'eux. Ça me porte. J'ai eu de nombreux arrêts de travail. Si la MGEN n'avait pas complété mes revenus, la situation aurait été dramatique.
commence tout de suite par les rois du palais. L'équipe de France de hockey sur glace n'avait jamais battu le Canada en match officiel. C'est fait depuis cet après-midi au championnat du monde en Suède. Zira Rolls qui parle de hockey, c'était pas souvent. Christian Pouget, les bras au ciel. C'est l'équipe de France qui est aux anges après un match de rêve. C'était des petits casques à l'époque de Rikiki. On pourrait pas jouer avec ces casques-là aujourd'hui, c'est impossible. On s'en rappelle quand même, mais de les voir comme ça, c'est incroyable. Et voilà, ça montre un peu d'où vient le hockey français et où est-ce qu'il en est maintenant. Ben honnêtement, j'ai les frissons. C'est des bons souvenirs. On est à Gävleux. Gävleux, c'est une petite bourgade suédoise. On est dans notre championnat du monde que nous avons bien entamé. On va jouer le Canada. On a battu 4-0 les Allemands et donc on arrive avec sans aucune pression parce que les Canadiens sont bien sûr favoris. France-Canada, c'est médiatisé, c'est différent, c'est leur sport roi. On les avait jamais battus en compétition officielle. Battre le Canada en hockey sur glace, c'est comme battre le Brésil en football. On a aussi cette particularité-là à l'époque en équipe de France. On a des naturalisés canadiens, des canado-français. Donc et c'est particulier pour eux aussi. Et on a toujours souvent fait des bons matchs contre l'équipe Canada, même si j'ai eu des défaites. Mais c'était un style de hockey qui nous convenait aussi plutôt bien. On est monté dans le groupe A en 92, la même année que les Jeux Olympiques d'Albertville. Depuis 92, on a eu un engouement, on a eu un bon résultat aux Jeux. Ça m'a permis de pouvoir connaître la NHL après les Jeux. Et de retrouver l'équipe de France, c'est toujours un plaisir. C'est championnat du monde. On a un nouvel entraîneur qui s'appelle Juhani Tamminen, avec une nouvelle approche tactique, peut-être une approche tactique un peu plus... offensive et donc c'est vrai qu'on attaque ce championnat du monde avec peut-être un système un peu moins défensif et on ne sait pas trop où on va mais en tout cas on a beaucoup d'envie. On commence tout de suite par les rois du palais. L'équipe de France de hockey sur glace n'avait jamais battu le Canada en match officiel. C'est fait depuis cet après-midi au championnat du monde en Suède. Christian Pouget les bras au ciel, c'est l'équipe de France qui est aux anges après un match de rêve bien entamé. Deuxième minute, avantage numérique, passe de Pouget pour Bozon, qui trouve la lucarne, 1-0. Je jouais en position à la pointe, comme on appelle, un peu en tant que défenseur. Donc, réussi à trouver le décalage, je prends un tir du poignet. Je ne suis pas quelqu'un qui utilisait beaucoup le slab, mais beaucoup le tir du poignet. Il arrive à trouver la lucarne. Donc là, supériorité numérique avec Bozon à la pointe, un petit shoot avec du monde devant, c'est lucarne, 1-0. Je me rappelle aussi d'un but d'un petit jeune de Chamonix. Il n'était pas petit parce qu'il était grand, mais il était jeune. Et c'est Sogo Monian qui a marqué un but de la ligne bleue, un but qui a eu plusieurs rebonds, un shoot un peu improbable. En zone offensive, Sogo Monian récupère le palais et trompe Correa, le gardien canadien, qui n'a rien vu arriver. C'est 2-0. Il y avait un peu tout dans ce match, une part de réussite, mais aussi de la maturité de notre part et de la force collective dans le jeu. Côté français, personne n'a vu une trace à nouveau. Seul au deuxième poteau, 9e minute, le Canada réduit le score 2-1. Ça revient 2-1 là, on se dit que là on va plus rigoler. Alors, Antoine Richer fait les gros yeux. Et cela a dû impressionner Andrusak, le défenseur canadien. Il laisse filer Christian Pouget. Il a fait 3 feintes et il finit avec une main incroyable. Gauche, droite et entre les jambes. Ça, c'est un but de folie. Donc là, on est à 3-1. Ce but-là était vraiment incroyable parce que Christian Pouget, on savait qu'il était capable de marquer des buts comme ça, mais contre le Canada, ça a été, c'est quelque chose qui nous a mis en confiance. Même si le Canada revient, même si le Canada, on a vu, essaye de mettre cette intensité physique, ben nous, c'est quelque chose où on était capable de répondre. À l'époque, dans le hockey, il y avait une grosse part d'intimidation. Et moi, en tant que petit Français, aller en NHL, j'ai vécu en permanence. Donc, bien évidemment, et les Canadiens en jouaient de ça. Et ils savaient très bien. Et si vous baissez les yeux contre eux, vous étiez mort. Et nous, on avait ce caractère-là. On ne se laissait pas impressionner. 39e minute, Bozon fait une chute sur la ligne bleue. Il trébuche, mais Bozon se bat. C'est la preuve par 3. Récupération, élimination. Et puis réflexion lorsque Bozon fixe le défenseur et démarque.
bouger. Les images où on récupère à plat ventre, des actions qu'on voit, c'était l'état d'esprit de l'équipe de France. 4 à 1, c'est la victoire d'une équipe et d'un Finlandais de 44 ans, Juhani Tamminen, nouvel entraîneur des Français, nouvel entraîneur et donc nouveau style. Gagner contre le Canada, nous on sait que très bien que pour le hockey français, ça va nous faire une publicité. Tout le monde va en parler et ça a été le cas. Les médias, ah, la France a battu le Canada, bah, tout d'un coup, on en parle. Derrière, on a réussi à battre les Suisses. Donc là, vraiment, on a pu enchaîner ce qui, avant, n'était peut-être pas notre force. Et donc, on s'est qualifié pour les quarts de finale. On a joué la Finlande qui a été championne du monde après. Jusqu'à la mi-match, il y avait 0-0. On a fait tout ce qu'on a pu. Dans ce championnat du monde, on a eu l'impression d'arriver dans la cour des grands. Pour nous, ça reste des exploits. C'est très compliqué. Rentrer dans ce Gotha-là, pouvoir faire un quart de finale, c'était un moment important pour le hockey français. Dernière journée du championnat de France de rugby à 13. Albi reçoit Lézignan pour un choc du haut de tableau. Lézignan peut encore décrocher une seconde place qualificative pour les demi-finales, à condition de gagner au stade de Mazicou. Réponse samedi à 17h, en direct sur Sport en France. Dernière journée du championnat de France de rugby à 13. Albi reçoit Lézignan pour un choc du haut de tableau. Lézignan peut encore décrocher une seconde place qualificative pour les demi-finales, à condition de gagner au stade de Mazicou. Réponse samedi à 17h, en direct sur Sport en France. Retour en direct de la patinoire de Lille-la-Croix. Nous sommes à un peu plus de 3 minutes de la reprise du début du troisième tiers-temps. Et pour l'instant, on est gâté avec Anthony Rey, qu'on a le droit à 10 buts dans cette rencontre. 6 buts à 4 pour les Dragons de Rouen qui sont en train de relancer cette finale totalement. Oui, très beau match. Rouen qui a pris 2 buts d'avance. Donc, toujours important, ok. Et moi, j'ai hâte de voir la réaction grenobloise pour la première fois de la série. Ça avait bien démarré, hein. Pourtant, ouais, ce début de deuxième tiers-temps avec le triplé de Aubin qui est parvenu en début de tiers à tromper Mathias Pintaric. Et puis, derrière, il y a eu la furia des Dragons qui ont inscrit 3 buts consécutifs. Ouais, la grosse pression là, de Dylan Yeo sur le but avec un beau revers un peu dévié par Raymond. Mais en tout cas, on a deux grandes équipes encore ce soir qui se rendent coup pour coup et ça fait un beau match. On a du spectacle, ça c'est certain, dans cette rencontre. On a vu le but de Yeo et puis derrière le gros travail de Shaki Ajili pour conserver ce palais en zone offensive. Le tir de Elon Riné récupéré par Mallet. Il y a eu des difficultés à reprendre ce palais et ce but-là, il a été fatal à Stepanek. Oui, c'est vrai, là, il est sorti sur cette action. Changement de gardien pour Grenoble. Okay, on peut voir beaucoup de trafic, déviation. On essaie de remettre tout de suite à la cage. Un deuxième effort, comme on dit, de la part de Mallet. À ce moment-là, donc, les Dragons de Rouen mènent au score et vont même prendre le large avec ce but inscrit en désavantage numérique par Kelsey Tessier qui vient tromper
Raphaël Garnier qui s'était bien étendu de tout son long, qui n'est pas parvenu tout de même à stopper ce palais. Ça a été revisionné, mais logiquement accepté. Oui, pas de problème. Il est bien dedans. Donc voilà, très, très beau jeu de la part de Tessier. Très belle feinte pour faire bouger de gauche à droite le gardien. Le retour des deux équipes sur la patinoire. Et quand on jette un œil aux statistiques, hein, elles sont largement dans le deuxième tiers-temps à l'avantage de Grenoble. 15 contre 9 au chapitre des lancers. Mais il n'y a que 4 petits lancers d'écart au final dans cette rencontre à l'avantage de Grenoble. Et au niveau des engagements, c'est aussi très serré. 24 pour Grenoble, 22 pour les Dragons de Rouen, même si les Dragons sont devant dans le deuxième tiers-temps alors qu'ils étaient bien derrière dans le premier. Ouais, c'est très rapproché, hein, on peut le voir, hein, 2 buts d'écart, c'est pas énorme en hockey, donc les statistiques reflètent bien ça. Et voilà, je pense qu'on a un match serré, deux grandes équipes qui s'affrontent, qui se rendent coup pour coup. On va redémarrer à 5 contre 5 cette période, et je pense qu'on va avoir encore une grande période de hockey ce soir. 2 buts d'écart, c'est pas grand chose, ils l'ont prouvé, les Dragons de Rouen dans cette partie. On va voir s'ils vont parvenir à réagir, les Brûleurs de Loups de Grenoble, pour ce début de troisième tiers-temps dans ce match numéro 4, où les Dragons de Rouen mènent chez eux sur le score de 6 buts à 4. Sacha Traille, la passe ultra puissante pour Aurélien Dair. Oui. Fallait pas être sur la trajectoire. Quelle grosse mise en échec de Sacha Traille dès le début du troisième tiers. Pour il remettre le temps. Ouais, exactement. Chakiashvili, attention, pressé par Aurélien Dair. Le palais qui a été dégagé. Maxime Lamarche avec Kyle Hardy. Mais ce palais en fond de territoire, c'est récupéré par Elorine. Prend son temps, hein, pour organiser la sortie de zone du côté rouennais. En tout cas, le héros du match précédent, Florian Chakiashvili, qui est encore buteur aujourd'hui, qui mène à 2 points dans cette rencontre. C'est un grand leader de cette formation des Dragons de Rouen. Il le prouve aujourd'hui encore. Attention. Avec Lucenus qui vient mettre la pression sur Nicolas Deschamps. Fleury, la passe derrière. Raymond avec Damien Fleury face au jeu. Fleury avec ce palais qui arrive sur le plexiglas de l'autre côté, il reste en jeu. Il y a encore grosse partie de Lucenius ce soir, hein. On peut voir sur les derniers matchs toute l'expérience du joueur avec un grand nombre de matchs en Liga et qui fait du bien du côté rouennais. Il se voit prendre plus de responsabilités suite à la blessure de Beauchemin. Remplir son rôle, tandis que l'arbitre a levé son bras, et il va y avoir une pénalité dans cette rencontre. C'est Tomasino qui va être chassé. Une belle chance, une grosse occasion pour les Brûleurs de Loups de réduire l'écart dans ce début de troisième tiers-temps. Joël Champagne, Aubin, Aurélien Dair, Sacha Treille et Jéré Rouillainen pour tenter de faire la différence sur cette supériorité numérique. Oui, un moment fort, en tout cas un moment fort pour Grenoble tout de suite en début de troisième période pour recoller au score, en tout cas pour remettre l'équipe à un but d'écart. Un moment très important dans ce match-là. Allez, Rouillainen, la fin de lancer sur quelle cité si le décalage à droite pour Aurélien Dair. Je pense qu'on va aller chercher Brent Aubin. Le lancer de Rouillainen. Il y a le grand gabarit Sacha Treille pour tenter de masquer la visibilité de Mattia Pintarich, mais finalement c'est passé juste à côté. Très belle entrée en zone de Grenoble, tout en contrôle. Belle pression des Rouennais tout de suite aussi. Avec Maya qui renvoie ce palais de l'autre côté. Rouillainen, solide avec l'accélération de Sacha Treille. L'entrée en zone offensive, 1 minute et 14 secondes à faire. La feinte avec le tir enchaîné. Et c'est un arrêt sans rebond laissé par Mattia Pintarich qui va avoir son importance dans ce troisième tiers-temps. Oui, je pense qu'il va être mis beaucoup à contribution par l'équipe de Grenoble. De voir la belle entrée de Sacha, la tête haute, passe dans la palette. Pas de rebond surtout. Voilà l'importance de pas de rebond.
ça va donc être un engagement en zone offensive, tandis que l'on a aperçu aussi sur le banc Anthony Guttig, joueur que vous connaissez bien évidemment, Anthony. Oui, ex-international, ex-joueur de Rouen. Oui, retraité désormais. Je pense que, comme vous, dans ce genre de partie, il doit avoir envie de rechausser les patins. Oui, je pense que l'excitation est là. Après, il fait partie du jeu, oui. Aussi. Donc, une autre manière de vivre le voilà. Match pour Anthony Guttig. Fabre, chargé par Dodero avec Nicolas Deschamps, Damien Fleury. 37 secondes encore à faire en supériorité numérique. Ouais, grosse bataille importante, hein. Remportée par Joris Bedin, qui peut dégager son camp et renvoyer ce palais de l'autre côté jusqu'à Raphaël Garnier. Hardy. La confiance aux jeunes, Rouennais Le Borgne en infériorité numérique. De bonnes responsabilités pour lui. Il se voit confier de plus en plus de responsabilités. C'est lui, lors du match précédent, après la blessure de Beauchemin, qui évoluait sur le premier trio. Il évolue sur cette infériorité numérique. Aurait été un engagement en zone neutre. Ce sera un engagement en zone offensive. Après la déviation de ce palais, selon l'arbitre. Il n'est absolument pas d'accord avec l'employé. Décision de l'arbitre. Oui, ça peut se jouer sur ce genre de détails. Oui, c'est vrai, ça discute un peu. Un peu à l'expérience, ça gagne aussi un petit peu de temps, un peu de repos. Tout la roublardise un petit peu. Le Borgne face à Coudry, l'engagement remporté en zone offensive par les Brûleurs de Loup. La passe de Julien Munoz vers Lucien Honneau. Les ententes entre les Brûleurs de Loup, Ono et son fort patinage. Retour à 5-5. Ouais, ils ne seront pas parvenus à trouver la faille sur cette situation d'avantage numérique, les hommes de Jerkiao. Munoz avec Dodero, la récupération de Kylian Le Borgne. Longue présence pour le jeune joueur rouennais. Remplacé par Christophe Boivin. Hardy. Le décalage pour Sacha Trey. Oh, il a failli se faire surprendre, mais il accélère en possession du palais. Sacha Trey qui revient dans l'axe. Sacha Trey, encore une percée fantastique pour le numéro 77 qui a été arrêté par le montant de Mattia Pintaric. On peut voir cette action, toute la puissance de Sacha Trey. Qui déborde facilement son défenseur et qui vient recouper au premier poteau. Ah, il est dur à arrêter hein, quand il est comme ça. Ah oui, là, il faut qu'il nous dise où est la fontaine de Jouvence. Oh, okay. Il y a goûté, c'est sûr, Sacha Trey. Bien repiqué dans l'axe. Et là, ça ne s'est pas joué à grand chose. À quelques centimètres pour permettre à sa formation de revenir à un but. Oh, attention, il y a du contact là devant les filets de Mattia Pintaric avec Sacha Trey qui est remonté comme une pendule dans ce début de troisième tiers-temps. La marche hein, surpris par Loïc Lamperrier. Là il y a une situation bon, ouais, ouais. En supériorité, en contre avec Lamperrier qui cherche Kelsey Tessier, pris par Hardy. La grosse charge de Maxime Lamarche à l'encontre du capitaine des Dragons de Rouen qui retourne au banc. Lamarche. Le décalage sur le côté, Enzo Cantagallo cherche Joris Bedin en profondeur. Maxime Lamarche qui peut remonter ce palais avec le retour sur la glace du casque d'or. Brent Aubin, auteur d'un triplé aujourd'hui. Tomasino, ça a été intercepté par Damien Fleury. Tente de faire la différence sur le côté, une fois, deuxième fois. Il est toujours en possession du palais, cherche Nicolas Deschamps. C'est récupéré par Joris Bedin qui va changer de présence courte. De part et d'autre. Le Grenoble met beaucoup d'intensité. Hein. Forcheck, pression à deux. Ouais, ça patine fort, ça va vite. Avec Aubin qui n'a pas terminé de gâter les Brûleurs de Loup dans cette rencontre. C'est un quadruplé, s'il vous plaît, pour Brent Aubin. 6 buts à 5. Voilà, le casque d'or. Il avait la confiance. Et ce soir, il le prouve. 4 buts. Waouh, c'est. En tout cas, j'aimerais revoir le but parce que c'est pas un gros lancer, mais est-ce que ça a été dévié ou en tout cas masqué par le défenseur rouennais?
4 passes de Fleury. Très beau jeu de Damien Fleury. Hein. Toute la vista un peu. Ouais. Je pense que... Ouais, peut-être qu'il est un peu masqué au départ. Je voudrais le revoir. Je ne suis pas sûr qu'il soit très content de ça. Mais en tout cas, voilà, ça remet... On repart sur un but d'écart. Et les Brûleurs de Loup récompensés de leurs efforts dans ce premier tiers-temps. Ils ont un gros dépensé moment, hein. Beaucoup d'énergie. Je trouve qu'ils ont du caractère, de la ressource pour l'instant à revenir à un but d'écart tôt dans cette troisième période. Malais qui dégage son camp. Et c'est un dégagement qui est refusé aux Dragons de Rouen qui sont sous pression depuis le début de ce troisième tiers-temps. Et il y a un petit but d'écart et encore beaucoup, beaucoup de hockey à jouer. 13 minutes et 57 secondes de jeu. Et on revoit ce qui s'est passé. Caméra opposée, ce lancer de Aubin. Ça n'a pas été dévié. Non, effectivement. Casse toujours, difficile, deux buts d'écart, troisième période. Jamais trop comment la jouer entre guillemets, reculer un petit peu plus. Pénalité appelée contre Rouen tout de suite. Oui, attention, c'est en train de se gâter pour la formation à domicile qui va se retrouver en désavantage numérique. Grosse chance pour les Brûleurs de Loup de Grenoble de revenir à égalité dans cette rencontre. C'est Malais qui est chassé. Évidemment, premier power play sur la glace, Joël Champagne. Le casque d'or. Évidemment. Pour l'instant, lui porte chance. Hein. C'est la première fois qu'il porte ce casque dans ses finales. Celui de meilleur pointeur, Brett Aubin. Ouais, la pénalité, rien à dire. Hein. Trébuché. Quadruplé. Oui, historique, peut-être. Oh oui. Ça risque de rester. Grande performance. Hier, Dylan Fabre a marqué un triplé et sa formation a perdu. Quadruplé pour Aubin et les Brûleurs de Loup de Grenoble sont menés. Sacha Treille, le décalage pour Joël Champagne, la passe pour Rouyainen, le tir puissant, pas de rebond laissé par Mattia Pintaric. On peut voir un de gros gabarits, Eloriné, Sacha Treille devant la cage qui se rend coup pour coup. C'est bonne guerre. Engagement en zone offensive pour les Brûleurs de Loup de Grenoble. C'est remporté par les Dragons et Eloriné qui renvoie le danger loin devant. Ils sont dans un temps très faible, les Dragons de Rouen. On est à l'entrée de zone, hein, tout en contrôle. Et le tir en angle fermé de Aurélien Der. Et deux arrêts coup sur coup pour Mattia Pintaric sans rebond laissé. Il a une capacité aussi à se remettre dans son match, Pintaric, après avoir encaissé le cinquième but. Capacité assez déconcertante. En tout cas, il s'est bien remis dedans. Ouais, je pense qu'il faut tourner la page assez rapidement. Il le prouve tout de suite avec deux arrêts sans rebond. C'est très important pour la suite de la rencontre. Une grosse mise au jeu gagnée. Avec le lancer de Damien Fleury, on connaît ses qualités de lancer. C'est passé à côté du filet de Pintaric et Tomasino qui peut renvoyer ce palier loin devant. Il doit être sous assistance respiratoire de l'autre côté sur son banc, Alexandre Malais. C'est jamais facile de vivre ces moments-là. On a envie que ça se passe au mieux pour. On n'a pas envie d'être responsable. Exactement. Une énorme charge de Yeo sur Fleury. Les deux qui viennent se chauffer un petit peu en milieu de glace. Bien s'expliquer. Oui. Hardy qui rentre en zone offensive. Le lancer de Hardy. Cherchez plus à trouver des champs de l'autre côté. La passe pour Quinton Oden. Deschamps qui vient bloquer ce palais. Dodero peut dégager son camp. Il a mis beaucoup de force. Oh, que c'est bien sauvé de la part de Kyle Hardy. Avec Damien Fleury, 23 secondes encore à faire en supériorité numérique. Ils sont installés, les Brûleurs de Loup. Nicolas Deschamps qui temporise. Deschamps derrière les filets de Pintaric. La petite passe soulevée, c'est récupéré par Joris Bedin dans l'enclave. Et le danger qui est éloigné. Ouais, beaucoup de pression cette infériorité numérique de Rouen, de la part de Rouen, qui font un peu perdre les pédales au porteur du palais, on va dire. Ils sont parvenus
à tenir les Dragons de Rouen sur cette supériorité numérique. Et un nouveau palais renvoyé de l'autre côté. Pas de dégagement refusé. Mallet de retour sur la glace. Munoz dans le coin. Cherche du revers Rouyainen. Mais qui revient jusqu'à Julien Munoz avec Elorine. Le tir instantané sur réception qui voit le cadre s'échapper. Il va avoir peut-être une deuxième chance et ça a été bloqué par Flaviander. Voici enfin une situation dans ce troisième tiers-temps pour les Dragons de Rouen. Ouais, ouais, il faut sortir un peu la tête de l'eau. Grenoble met beaucoup de pression. Là, on voit le tir de Lonoriné, pas masqué. Raphaël Garnier, bel arrêt. Mais voilà, on va rentrer dans les 10 dernières minutes bientôt. Donc voilà, ça va se resserrer et peut-être se découvrir du côté grenoblois. Il faut aller chercher l'égalisation à tout prix. Reste encore du temps au brûleur de loup de Grenoble pour tenter d'égaliser. Tandis que la tribune G n'a toujours pas terminé de mettre de l'ambiance. Et ça, c'est loin d'être surprenant. Maintenant, à voir est-ce que le coach de Grenoble va un petit peu mixer ses lignes, faire bouger les choses. Je pense qu'il veut prendre part au match aussi. Il l'a déjà fait en changeant son gardien, donc à surveiller. Tomasino, oh, la percée là avec Guimond, avec le lancer en pivot de Guimond, Roland Vigneurs. Raymond qui va être le premier sur ce palais. Grosse bataille dans les coins. Ouais. Attention, Vigneurs qui n'en finit pas de remporter des duels en zone offensive. Il vient trouver Vincent Neza. Neza, le tir en pivot avec Roland Vigneurs. Vigneurs face à Joël Champagne. Neza, la passe à la bleue. Elles sont en contrôle du palais en zone offensive. Le lancer. Oh, attention, il y avait beaucoup de trafic là devant Raphaël Garnier sur ce tir de Vincent Neza. Vigneurs. Au travail hein, de cette ligne en fond de zone. Le palais qui arrive tranquillement jusqu'à Garnier. Là, ils avaient le palais en zone offensive, les Dragons de Rouen, mais ils ne sont pas parvenus à avoir une occasion chaude. On peut voir toute la force physique de Roland Vignière sur ce jeu dos à la cage, toujours retourné, qui protège son palais, une belle protection de palais. Il fait son match. Hein. Ouais, je pense qu'il fait un très bon match. En zone offensive pour les Dragons de Rouen qui semblent avoir laissé passer l'orage dans ce troisième tiers-temps. Le lancer lointain haut de la part de Cantagallo. Aubin qui tente de dégager son camp. C'est récupéré par Nicolas Deschamps qui rentre en zone offensive avec le contrôle et le bon placement de Lucenius pour récupérer ce palais. Et ça va d'un but à l'autre. Christophe Boivin en zone offensive. Garnier avec la marche contre la bande. C'est un échec de Mallet là sur la marche. Chakiashvili qui vient trouver Elorine de l'autre côté. Chakiashvili qui vient calmer le jeu, temporiser. La passe bien bloquée par Adel Koudri en zone neutre. Oh la belle passe. Oh, attention, Julien Munoz le lancer. Oh, il était à bout portant. Lance à côté finalement le joueur français. Il est rentré dans les 10 dernières minutes de ce troisième tiers-temps. Et pour l'instant, le temps qui file à l'avantage de la formation à domicile. Dylan Fabre, la passe de l'autre côté, soulevé. C'était un bijou pour Adel Koudri. Ouais, on voit toute la confiance de ce joueur. Hein. En pleine confiance. Oh, attention, c'est ouais, du monde devant la cage. Un bon shoot du défenseur grenoblois. Il réussit tout ce qu'il entreprend, ou presque, ouais. Dylan Fabre. Mais c'est efficace, simple. C'est toujours dans l'optique de, voilà, de faire les choses simples et c'est la bonne solution. Raymond. Le palais qui a été dévié par Catrone. Joris Bedin avec Tomasino
Bedin, la passe derrière d'Odero qui maintient ce palais en zone offensive, mais c'est directement sur Quinton Oden. Le décalage à droite pour Flaviander. Le duel face à Sacha Guimond. Flaviander qui se retourne, toujours en possession de ce palais. Der face à Sacha Guimond. Il reste solide sur ses appuis, toujours en contrôle du palais. Kyle Hardy qui est trouvé à la ligne bleue. Hardy, tandis que son coéquipier Lucien Honneau va changer. Guimond qui récupère ce palais. Joris, oh là là là, attention, c'est la deuxième fois dans cette partie que le palais est envoyé directement dans les tribunes depuis la zone défensive. Oh, il le sait Joris Benard, que ça peut coûter cher, que ça peut coûter très cher au Dragon de Rouen. Ouais, il a mis tout de suite la main sur le visage pour dire mince. Oui. Du même endroit, exactement du même endroit que tout à l'heure, je crois que c'était Tomasino. Et Grenoble qui se retrouve en supériorité numérique à 8 minutes de la fin. Moment très important dans ce match. Oh, qu'elle est importante, effectivement, cette supériorité numérique pour les brûleurs de loup de Grenoble. Pour l'instant, on ne trouve pas la faille dans cette disposition, dans ce troisième tiers. Joël Champagne face à Kelsey Tessier pour cet engagement importantissime. Dans ces 8 dernières minutes de jeu, Rouyainen, c'est directement dans la mitaine de Mattia Pintaric. Nouvel engagement en zone offensive pour les brûleurs de loup de Grenoble. Joël Champagne qui le remporte, cet engagement avec Rouyainen. Oh, attention, ce palais qui traîne devant les filets de Pintaric. Beaucoup de pression, là, hein. Oh, il y avait Sacha Trey qui était présent en embuscade. Et finalement, ça a été renvoyé de l'autre côté. Et on peut voir qu'après un engagement, Grenoble essaie de tout de suite aller à la cage, de mettre beaucoup de monde devant, d'envoyer un palais à la cage pour un rebond. On sent vraiment de la tension dans cette patinoire de Lille-Lacroix. Les supporters qui ne respirent plus, ils retiennent tous leur souffle. Ça a été dévié, oui, ce dégagement de Camienne Le Borgne. Et ce sera donc un engagement en zone offensive. Donc ça n'a pas été lancé directement dans les tribunes. Une 18 encore à faire. Cette disposition d'avantage numérique, Dylan Fabre, Damien Fleury, Nicolas Deschamps, Kyle Hardy et Quinton Oden sont présents pour cet avantage numérique du côté des brûleurs de loups. Et en désavantage, Yeo, Tomasino, Vincent Deza et Dodero sont là. La grosse pression des Rouennais là tout de suite. Et Dodero qui récupère le palais face à Oden. C'est arraché, Dylan Fabre, Deschamps. Ils vont conserver ce palais. Le tir, il est énorme. Ouais. Depuis qu'il a encaissé ce but, Mattia Pintaric, il ne laisse plus aucun rebond. Ouais, parce qu'il y avait un beau bonhomme devant la cage, hein. Kelton Oden. Et on peut voir sur le replay. Ouais, il est bien devant. Et les spectateurs connaisseurs qui ne s'y trompent pas. Chante à l'honneur de leur gardien de but. Pintop, comme c'est le surnom. Oden avec Dylan Fabre. Ouais, il remporte cet engagement, les brûleurs de loup de Grenoble, tandis qu'il reste 52 secondes à faire dans cette disposition. Donc que c'est bien anticipé, que c'est bien bloqué de la part de Kalyan Le Borgne qui va pouvoir lancer de l'autre côté. Très beau jeu. Oh là là, quel jeu défensif qu'il y a derrière. J'allais dire obtenu un engagement en zone offensive. Les arbitres n'ont pas sifflé. Le jeu qui peut continuer avec Nicolas Deschamps. Le décalage pour Dylan Fabre. Le tir de Dylan Fabre. C'est dévié, ça passe juste à côté. Kelsey Tessier en contre. Tessier pour Garnier. Oh, attention, il a hésité. Raphaël Garnier. Finalement, coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est un engagement en zone offensive qui est remporté. Ouais. Ils mettent du temps avant de siffler les arbitres. Oui, c'est vrai. Raphaël Garnier s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Oui. Pas trop. Je te disais que si on estime que tu peux jouer, ok, joue-le au maximum s'il te plaît. Ça marche. Ouais, juste le prévenir de jouer un petit peu plus vite peut-être. En tout cas,
peut voir Kylian Leborn qui a fait un gros travail sur cette infériorité numérique, qui est mis à contribution, qui a plus de responsabilités et qui le gère très bien pour l'instant. Oui, comme Lucenius. Ouais. Ouh, alors que Aubin. Ouais, il voulait rester sur la glace. Et Rouyainen aussi. Ah bah là on joue. Ah non, je vais dire avec 5 attaquants, mais non, il y a Raymond encore qui est présent. Et comme il reste 17 secondes encore à faire en supériorité numérique, c'était toute la question de savoir si ils allaient démarrer avec deux défenseurs ou un seul. Et finalement, ce sera un seul. Et pas pour longtemps avec le retour de Lucien Ounaud sur la glace. Et le retour de Joris Bedin. Retour à 5 contre 5. Il n'y arrive pas en supériorité numérique. En des moments importants, les brûleurs de loup. Oui, oui. Bien tué par Rouen. On ne peut pas les renvoyer de l'autre côté. Et dégagement refusé au Dragon de Rouen. Donc il va y avoir de la tension dans ces dernières minutes. On approche du money time des 5 dernières minutes de cette partie. Et là, chaque jeu est important. Nicolas Deschamps, accompagné de Aurélien Dair et de Damien Fleury. Et l'engagement Lucenius face à Nicolas Deschamps. Cet engagement en zone offensive pour les voleurs de loup de Grenoble. Et c'est Lucenius qui le remporte. Kyle Hardy, qui a oublié le palais. Ils sont contraints de quitter la zone offensive, les brûleurs de loup. Deschamps, Pelé qui revient jusqu'à Malé, passe par-dessus pour Lucenius qui cherche son capitaine. Loïc Lamperrier sera finalement récupéré par Maxime Lamarche. Du revers pour Kyle Hardy en milieu de glace et en zone neutre. Le décalage pour celui qui a inscrit 4 buts et qui est en très grande forme. Aubin, la feinte qui était passée, il n'a pas pu enchaîner avec un tir derrière. Pour Maxime Lamarche en zone offensive, Nicolas Deschamps, Fleury avec Chakiashvili pour Eloriné, Kyle Hardy par-dessus pour Nicolas Deschamps avec Enzo Cantagallo pour Rouyainen. On est dans le money time, on est rentré dans les 5 dernières minutes de ce troisième tiers-temps entre les brûleurs de loup et les dragons de Rouen. Il a failli passer. Tout proche. La vitesse de ce joueur est extraordinaire. Stoppé par Enzo Cantagallo. Coudry, c'est récupéré par Yeo. Avec Kelsey Tessier devant lui, l'accélération de Tomasino. Le palais dégagé par les brûleurs de loup. En tout cas, merci à Sébastien Bernard. Une petite info. Le quadruplé n'est pas le premier joueur exécuté, c'est David Denis Kearney en 2013-2014 qui a réussi aussi ça. Donc petite info, ouais. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Non. C'est pas commun. Reste à savoir si 5, ça a déjà été fait. Ouais. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ils en auraient bien besoin, les brûleurs de loup de Grenoble qui sont donc menés 6 buts à 5. Boivin avec Dodero. Boivin, séquence de possession en zone offensive. Quelle est belle cette passe de Boivin! Oh là 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 là. L'énorme sauvetage sur la ligne! Je crois que c'est Rouyainen qui est venu bloquer ce palais et empêcher les dragons de Rouen de s'envoler dans cette fin de partie. C'était un peu le but du chaos là. Oh là oh là attention, là là là. Il prend des risques là, Raphaël Garnier. Ouais, ça joue sur le. Avec le feu un petit peu. Hein. Ono. On sent que c'est, on est rentré dans les 3 dernières minutes, on va dire. On sent que ça monte en pression tout de suite là. Tout peut coûter très cher. Ouais. Dans un match important comme celui-ci. Chakiashvili poussé contre la bande par Joël Champagne avec Loïc Lamperrier. Ouais, dernière de KO encore là aussi. Attention Raymond qui peut lancer. Et encore un arrêt pour Mattia Pinsaric du côté de la mitaine. Il ne relâche rien, le gardien des Dragons de Rouen. Tandis que Chakiashvili aurait pris un coup au visage. Ouais.
tout cas, quelle action défensive du défenseur grenoblois qui arrête le Palais sur sa ligne. On parlait du but du KO un petit peu. Hein. Alors là. Voilà, on voit ce qui s'est passé. Ouais, on voit pas très bien. Oui, on va revoir. Alors, de l'autre côté, il était trompé là-dessus. Oui, c'est vraiment Rui Heinen qui est venu voler un but, très clairement. Il était battu, Garnier là-dessus. Quel réflexe. Ouais. Oh, quelle action défensive. Quel six-caissier à droite pour Vigneurs. C'est récupéré par Nicolas Deschamps. 3 minutes et 3 secondes encore à faire. Et c'est le moment choisi par la tribune G et par toute la patinoire Nathalie Péchala pour pousser la formation à domicile. Hardy, le tir lointain. Mattia Pintaric qui est énorme dans ces minutes brûlantes, ces minutes très importantes de ce match numéro 4. Ouais, qui vient de s'étirer de tout son long pour chercher avec la mitaine ce beau lancer de Kyle Hardy. Tiens, on sent la patinoire qui est debout, qui va essayer de pousser son équipe vers la victoire. Oui, elle est là l'importance. Et la cage est vide pour Grenoble. Oh, le tout pour le tout qui est testé. Alors qu'il reste encore pas mal de hockey à faire, c'est le moment choisi, oui, par Jirkiao de tenter le tout pour le tout. On a 5 attaquants sur la glace. Aubin est présent, Champagne, Fleury, Deschamps, Sacha Treil et Kyle Hardy. Et l'engagement qui est remporté par les brûleurs de loups. Sacha Treil face à Yeo, Treil. Oh, attention, il a perdu la possession du palais, Sacha Treil. Grosse bataille là entre Mallet, Champagne, Yeo, Treil, Lucenius et Fleury. Ils sont tous là sur le côté. Et c'est un duel remporté par les brûleurs de loups avec Aubin du revers. De l'autre côté où il y a plus d'espace pour trouver Nicolas Deschamps. Là, ils sont installés. Ils temporisent. Brûleurs de loups. Deschamps, la passe à la bleue pour Hardy. Oh, le tir. Et quel sauvetage, quel sacrifice quel bloc, ouais. De la part de Boivin qui en a cassé sa crosse. Attention à ce palais brûlant. Oh, Sacha Treil du revers. Et après Boivin, c'est Cantagallo qui se sacrifie. Treil. Hardy sur le côté. Ah oui, là c'était chaud devant le but rouennais. Rouennais qui met beaucoup de pression. Oh, la passe pour Damien Fleury au milieu. Oh, il a failli passer et finalement il aurait qui a légèrement touché ce palais. Tessier avec Sacha Treil. Encore un gros duel important dans cette fin de rencontre. Tandis qu'il reste 1 minute et 35 secondes. C'est irrespirable dans cette patinoire Nathalie Péchala. Hardy, le tir sur réception et le capitaine Loïc Lemperrier. Oui, qui se met sur la trajectoire du palais. Ah ouais, là, en tant que défenseur, il faut mettre tout ce qu'il y a. Hein. Oh, la pression encore mise par Loïc Lemperrier qui ne parvient pas à dégager son camp. Le palais conservé par les brûleurs de loups, la déviation, la cage qui a bougé de Mattia Pintaric. Ouais, Grenoble qui essaie de prendre un shoot avec beaucoup de monde devant la cage. Hein. Là, c'est une bagarre des deux côtés. Hein. Le tout pour le tout. On peut voir, regardez la vue du gardien de Rouen. Oh oui, là, il y a du monde. Bon courage pour voir le palais là-dessus. En tout cas, on voit Sacha Treil. Il y a des gros gabarits. Hein. Oui. Et un temps mort qui est demandé par Jirkiao. Ils mettent une pression énorme, étouffante. Les brûleurs de loups de Grenoble sur les filets de Mattia Pintaric. Et pour l'instant, ça tient pour la formation à domicile. Ouais, là on donne les dernières consignes. Hein. Bon, c'est un système de jeu qui a été travaillé à l'entraînement pour être sûr que tout le monde soit prêt, soit frais. Et pour être sûr que tout le monde soit sur la même page. Ouais, les grosses discussions importantes de part et d'autre. Et du côté des Dragons, c'est Kelsey Tessier qui décide de prendre la parole. Ouais. Les leaders prennent les choses en main, discutent de certains détails. Ouais, beaucoup d'expérience sur la glace des deux côtés. Hein. Que ce soit pour côté Rouen ou côté grenoblois. Ils en ont vécu beaucoup, des expériences comme ça, ils savent les gérer. Damien Fleury, Sacha Treil, Loïc Lemperrier, Florian Chakiachvili. Ouais, il y a des caps de Ligue Magnus et des oh oui, il y en a du match. Ligue.
Joël Champagne qui remporte cet engagement avec Aubin, auteur d'un quadruplé, le tir sur réception, la crosse qui est brisée pour Sacha Treille. De la malchance pour le numéro 77. Et attention, Kelsey Tessier qui s'échappe. Kelsey Tessier dans le but vide. Non, ça passe à côté. Tandis que nous sommes rentrés dans la dernière minute de jeu. Il va encore y avoir en avoir, sûrement pour les brûleurs de loup dans cette fin de rencontre. Et Loriné sur le côté. Et là, peu importe hein, s'il y a dégagement refusé ou non, il faut renvoyer ce palais le plus loin possible du côté de la généralement, si on a le temps, on aime bien pas la dégager au fond, mais là, c'est un peu sauf qui peut souvent. Hein. Fleury, dans les 30 dernières secondes, Treille avec Hardy. Oh, l'énorme charge de Yeo sur Sacha Treille. Oh, ça revient vite sur Damien Fleury, bien décalé. Le lancer de Fleury avec Joël Champagne, 15 secondes. Joël Champagne, Donnero qui tente de dégager son corps, le palais qui a été ralenti. Le palais capricieux qui a quitté la zone offensive. On est rentré dans les 10 dernières secondes, ils vont le faire. Les Dragons de Rouen qui vont remporter ce match numéro 4 et revenir à deux partout dans la série. Oui. C'est totalement relancé, attention tout de même. Ça choque un petit peu devant le banc grenoblois. Parce que là, il y a de la frustration de l'autre côté. Mais la victoire, il y aura un match numéro 6 dans ces finales de Cyberglass League Magnus. Les compteurs sont remis à zéro ou presque. Quel match, quelle série. On aura un match 6. En tout cas, on a deux très belles équipes. Hein. Quel match des deux côtés. On peut voir les Grenoblois. Et le joli geste aussi de supporters. Et là, forcément, il n'y a pas forcément l'envie de rester sur la glace hein, du côté des brûleurs de loups de Grenoble. Il y a de la frustration. Voilà, ces finales ne sont pas terminées. Il y a encore des matchs à jouer. Puis paradoxalement, on peut voir la joie des Rouennais. Ils ont fait le travail à la maison comme Grenoble l'avait fait avant. Ils ont tenu dans ces dernières minutes, dans ces dernières secondes brûlantes. Et il y aura encore deux matchs à jouer dans ces finales de Cyberglass League Magnus. Et vraiment, les supporters ici, dans cette patinoire, Nathalie Péchala, qui peuvent exulter et être soulagés après un match sous haute tension. Ouais, c'était vraiment un beau match, un peu à l'image d'hier. Voilà, je pense que les deux équipes se rendent coup pour coup. Maintenant, on va se retourner à Grenoble, qui est une très bonne équipe à domicile, qui a perdu un match de l'année. Donc, en tout cas, deux équipes combatives. Et ça fait plaisir à voir. Et je pense que tout le hockey français est content d'avoir une finale de ce haut niveau. Ah oui, c'est une grande victoire pour le hockey français. Ces deux dernières rencontres étaient vraiment exceptionnelles. 5 buts à 4 en prolongation et 6 buts à 5. Donc, dans le temps réglementaire, ils sont parvenus à remettre la série à deux partout. On va se quitter. Un immense merci hein, en tout cas Anthony Rec d'avoir pu commenter ces deux matchs ici. Vous êtes le bienvenu quand vous le voulez sur Sport en France. Merci à vous. Ça vous a plu cette expérience? C'était top. Maintenant on s'en va en équipe de France mercredi. Oui. Donc je regarderai ça à la télé. Mais en tout cas, c'était cool d'être derrière un micro. Un immense plaisir de vous avoir. Et donc, il y aura des matchs numéro 5 et 6. Rendez-vous le 12 à 20h30. Et deux jours plus tard, à Rouen, ici, pour le match numéro 6. Merci à toutes les équipes en régie autour de Nicolas Ruault. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore, toujours plus nombreux sur Sport en France. Excellente fin de journée. Salut à tous. Ciao.